a greatly simplified form, we have the four elements needed in every timepiece. Et bonsoir. Alors, est-ce qu'on a une synchro? Ouais, forcément, la caméra fait des signes. Ah, je passe une demi-heure à régler des trucs pour que ça disparaisse, c'est quand même pas mal. Yep. Voilà, mieux. Il y aura moins de synchronisation son image. Ah, bonsoir, bonsoir. Alors, je pense que ça va être un petit peu le cours du jour place. On va faire un petit peu de rangement ici. Bonsoir Manu, bonsoir Edric. Alors, ce soir c'est coding, bonsoir Strat03, bonsoir Nils, bonsoir tout le monde. Donc ouais, bienvenue sur un live coding sur notre cher Hackwatch. Il y avait le micro, une de la formation Nirsoles tombe à l'eau. Ouais, ouais. Ah bah écoute, la formation sur le NRF51, de toute façon c'est plus compliqué de lire sur les lèvres avec, sans la vidéo quoi. Bon, donc ouais, on va bosser sur Darkwatch, donc la T-Watch 2020 là, qui me sert de plateforme d'expérimentation sur la partie Wi-Fi. J'ai pas mal avancé dessus. Alors, forcément. Tiens, je me rends compte que j'ai pas organisé certains raccourcis, ce qui va être la merdouille. Hop. Voilà, ça va être pas mal là. On va essayer de voir si ça passe. Du coup, normalement, il doit être pareil. Non, loupé. C'est pas le bon. Normalement, le bon, c'est celui-là. Voilà. Il faut toujours remettre des raccourcis où il faut. Hop. Ok, donc là, c'est bon. On va pouvoir changer. Donc, là, la Quatch, qui ne. D'ailleurs, dans la caméra ne répond plus. C'est ici. Mais je vais la régler comme il faut. Hop, du coup, oui, comme quoi on peut avoir toujours fait des réglages si jamais comme il faut. Yes, voilà, ça c'est bon. Parfait.
Alors, tiens, en parlant de VNRF, je suis en train de remplacer la board BLE de ma Trotzami par un TNRF 52840 pour un dernier CD sur le dash. Ouais, cool. Ah ouais, tu veux pimper ta trottinette, toi. T'as été motivé. Cool. T'as été ouvert pour le 8060 pour du GP7E pour la Geoblock. Tiens, je connais pas le 8060. Non, bah, Néodyme, si tu regardes cette vidéo, j'ai pas encore été convaincu par le lobby de l'eau. Je bois de l'eau, hein, mais. Le soir, pour rester bien, c'est du coca, malheureusement. Bon, et eh ben on va pas y aller. Attends, j'ai la voix qui part dans les aigus, ça va pas du tout. Je fais que parler toute la journée. Bienvenue aux formations. Donc du coup, c'est le grand frère du 52-140, mais il coûte cher. Ah. Ouais, ça peut expliquer pourquoi. Ah oui, avant de démarrer, du coup, alors je sais pas s'il est en connecté ou pas, j'ai pas vu. Il me semble pas, je vérifie vite fait, mais bon, au pire, elle passera, je verrai la vidéo en VOD. J'ai eu un petit livraison Amazon de la part de Yachouchou sur Twitch, qui m'a fait envoyer deux ESP8266 dans l'idée de pouvoir les connecter sur les bandes d'aide derrière moi, donc on verra bien. Donc peut-être une petite connectique de LED bientôt avec des trucs qui clignotent derrière, ça serait cool. Donc je vais essayer de mettre ça en place avec du 8266. Bon, faut que je vois comment câbler tout ça, mais je pense que j'ai 2-3 idées sur les personnes que je peux contacter. Un certain Néodyme notamment, qui fait beaucoup de dettes sur sa chaîne. J'ai pas vu le nouveau Raspberry Pi, j'ai vu la nouvelle publication qu'ils ont fait avec leur truc Pico Pi ou un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de checker plus en détail. Donc à voir. Donc nous ce soir, c'est du dev à Team Twitch, mon étagère clignote à 24. Aïe, aïe, ouais, ça va pas aller en s'arrangeant avec l'ami belge qui est parti dévaliser toutes les actions pour rechercher des rubans de LED, ça promet. Donc on va faire un petit point sur le dev de la Quatch, où ça en est, avancer sur ce dev là ce soir. Donc l'idée c'est d'arriver à s'amuser, en tout cas, au moins un boucler scanner, ça serait sympa. Si j'avais un truc qui fonctionne, qui marchouille, ça serait parfait. Si c'est pas impeccable encore au niveau interface, c'est pas grave, ça sera du cosmétique. Mais bon, alors à la recherche d'un exemple d'attaque buffer overflow sur STM8, il y a un lien sur ce sujet. Des liens sur le buffer overflow sur le microcontrôleur, pas ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a des gens qui savent faire. Il y a 2-3 challenges, je crois, dans des CTF qui ont été faits là-dessus. Ouais. Mais après, pour des liens complets, je pourrais pas te redonner ça directement. Le Pipico, j'ai craqué pour deux, et bon, j'aurais préféré qu'il fasse une board sur une puce existante plutôt que refaire une énième M0. Ouais, bon, on verra. On verra ce que ça vaut. Donc, ouais, je fais un petit point sur là où on en était pour le dev. Donc, du coup, histoire d'avancer un petit peu, c'est pas que j'aime pas discuter, hein, loin de là, mais on va essayer de se mettre au taf. Puis on pourra discuter pendant que je bosserai sur le code, il n'y a pas de souci. Du coup, boum, notre petite smartwatch. Donc j'avais déjà implémenté un début de scanner de canaux, donc de niveau de signal sur les canaux. Ça, c'est un truc qui fonctionne, mais il n'est pas encore parfait à améliorer, certainement avec du texte, etc. Et là, je me suis attaqué au truc le plus chiant à faire, enfin, le plus compliqué à faire, qui est donc le scanner de réseau Wi-Fi. Donc j'ai implémenté une listbox ces derniers jours, parce que je trouvais que ça allait pas assez vite en live, du moins. Bonsoir Badatech. Donc implémenter une listbox, c'est un composant qui permet de faire coulisser des éléments, enfin de faire afficher des éléments, de pouvoir scroller. Alors, vous avez ici différents types de widgets qui sont dans la listbox, un bouton par exemple, une barre de progression, etc. Donc j'ai un peu étoffé l'interface utilisateur. Par contre au niveau justement au niveau réaction, enfin feeling, utilisation utilisateur, c'est pas parfait. Dans le sens où il faudrait que j'améliore un petit peu tout ça. Bon. Malgré ça, on a un truc qui est utilisable. Je réglerai l'animation de la listbox plus tard. L'objectif, ça va être de peupler dans cette listbox et bien les différents items Wi-Fi. Et en portant, on va développer quelques petits widgets qui vont bien. Des trucs assez simples. Hein. J'ai un widget de la bête qui est déjà à disposition, mais je vais faire un autre widget qui me permettra notamment de. Ou bien tout simplement de mettre un petit logo à un moment donné. Donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver à dessiner ça comme il faut, quoi. Et à placer tout ça dans la petite listbox qui est présente ici. Alors, il y a une scroll bar que j'ai mis en place, mais qui est pas encore parfaite. Là pour l'instant c'est juste du test sur la listbox, hein, ça n'a pas beaucoup plus avancé que ça. Donc l'objectif pour ce soir, ça va être le suivant. On va essayer de prendre un genre de...
Donc ça c'est... Non, ça c'est pas ça, ça c'est rien à voir, c'est pas ce que je voulais, voilà. Ça c'est donc la partie code qui a été fait sur la lisible, donc j'ai pas mal bossé sur le code de l'interface utilisateur notamment. La listbox sur les bref donc au niveau du code j'ai développé quelques widgets en plus un container donc un widget container en fait c'est un widget qui permet d'afficher une zone à l'écran et on a virtuellement derrière une zone dans laquelle on peut placer des widgets et on peut déplacer la fenêtre qui est affichée de ce container directement ici donc vous pouvez voir en fait des widgets qui sont placés à différents endroits et vous avez en fait une fenêtre qui permet d'afficher les différents éléments. Donc si vous faites bouger cette fenêtre vers le haut ou vers le bas, bah du coup vous allez afficher différents widgets. Donc c'est pratique pour faire des systèmes de lisbox avec des éléments déroulants, etc. Et ces widgets sont virtuels, ils n'ont pas de dessin quand ils sont placés dans ces zones-là. Je crois qu'il y a un petit bug graphique encore à ce niveau-ci qui se passe, mais c'est vraiment trois fois rien. Je pense qu'il va être un peu dur à trouver, mais ça devrait se régler. Donc la lisbox, voilà. Donc au niveau de la lisbox, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que je compte aussi utiliser pour les widgets qui permettent d'afficher les réseaux Wi-Fi. Donc typiquement, la lisbox fonctionne, j'arrive à mettre des contrôles dedans, etc., les retirer. Le scroll marche un petit peu, il faudrait certainement que j'améliore l'interface, enfin l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse utiliser, notamment faire comme une roulette, on sweep sur l'écran et ça défile vraiment assez rapidement sur l'écran. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre petit listbox qui à l'heure actuelle ressemble à ça. Donc c'est une listbox avec un petit curseur ici sur lequel on peut slider pour naviguer dans les différents éléments. Bonsoir Spectronoir. Et on va venir ajouter en fait, on va venir surtout en tout premier développer le widget qui va venir ici, qui représente le nom du réseau. Voilà. Donc là le nom du réseau ça sera Toto par exemple. Et on va essayer de respecter ce qu'on avait dit par exemple les barres réseau ou un code couleur qui indiquera le niveau de signal. En termes de Wi-Fi, donc il va falloir savoir si c'est prêt ou pas. Ça fait de l'art, oh là, vaste domaine, je prétends pas être artiste. Hein. Je fais surtout des schémas avant de commencer à dev pour savoir où je vais. Et donc l'idée c'est d'avoir, il n'y aura pas de contour, hein. C'est vraiment là, c'est juste de démarquer. Donc l'idée c'est de mettre ici le nom du réseau avec quelques indications. On pourrait avoir par exemple, idéalement, bah, le nom du réseau. Alors pour l'instant c'est pas multicolonne, ça pourra l'être par la suite, mais bon. Et l'idée c'est qu'on dessine ici un widget dans lequel on met ici deux éléments, potentiellement le nom du réseau, ça pourrait être le numéro du canal aussi, et le code couleur pour la qualité du signal, comme on avait dit. Donc ça faut voir si ça marche. Code couleur ça me dit bien, parce que du coup ça évite d'encombrer l'espace. Donc on peut mettre, on va fixer un code couleur avec 3, 4, 5 couleurs en fonction. Donc quand c'est vert, c'est que le signal... Donc avec un système de seuil, le signal est OK. Quand c'est orange, c'est qu'on est loin. Donc signal bof. Et quand on est rouge, c'est que le signal est mauvais. Donc après, on va fixer ça avec des seuils. Et puis bien sûr, quand ça disparaît de la liste, c'est que du coup, on n'a plus du tout de signal. Donc on va enlever ça, on va enlever ce truc-là. Et je pense que ce qui serait intéressant à mettre... Du coup, c'est le numéro du canal sur lequel le réseau écoute. Donc si c'est le canal 9, le canal 10, ce genre de choses. Après, les gens vont se demander quand même à quoi ça correspond, cette info-là. Je sais pas trop. Ou juste le nom du réseau, tout bêtement, pas trié pour l'instant. Si les gens arrivent à faire ça, ça serait cool. Quitte à ce qu'on améliore ensuite le widget en question. Donc l'idée dans ce widget, c'est de gérer le dessin de ce bloc-là. Que ça soit une zone graphique à part entière. Et que notre scanner qui tourne derrière, qui a un genre de contrôleur, ici, qui va pouvoir dire, bah écoute, celui-là je mets à jour, celui-là je mets à jour, et ainsi de suite. Et après, l'interface utilisateur gère tout seul la partie affichage. Voilà, c'est le projet pour ce soir. Sachant que le scanner est déjà développé, en fait, ce qui nous reste à faire, c'est le scanner, vraiment l'interface, la partie qui gère lui, en fait, le contrôleur, si vous préférez. Le contrôleur de ce truc-là, pour que ça puisse... Donc lui, il va avoir des notifs... de la part de notre scanner, hop, qu'est-ce que j'écris là, des notifs, voilà, de la part du scanner Wi-Fi, hein. Donc ça c'est le scanner Wi-Fi derrière, ça c'est déjà codé, ça fonctionne, ça tourne, il n'y a pas de problème à ça, donc là on a le scanner qui notifie, celui-là il met à jour les différents éléments, et ensuite quand l'utilisateur va venir sélectionner un élément, bah du coup on va se comporter de différentes manières. Alors pour l'instant la sélection de l'élément n'est pas prévue dans la listbox, ça va venir ensuite. Et l'idée c'est que au niveau de la listbox, on dit bah voilà ici on a sélectionné tel item et après on drive notamment l'affichage des éléments.
Donc après, c'est l'interaction entre l'interface utilisateur et du coup l'utilisateur lui-même et le contrôleur de l'interface qui va permettre. Alors on est sur un modèle type MVC hein, de base, pour ceux qui connaissent un petit peu les paradigmes de développement au niveau interface. Donc là, on a le modèle, donc c'est la mémoire, les données qui vont être stockées, la vue, c'est ce truc-là, hein, et le contrôleur, c'est ça. Bonsoir Blablabla, pardon, j'ai lu le commentaire de Blablabla. Donc voilà, on en est là à l'heure actuelle, qu'on va passer sur la partie dev. Pour l'instant, je vais laisser la liste boss de côté. On va commencer à développer le scanner et son interface. Et on va regarder notamment comment ça peut marcher. Du coup, le scanner, lui, Wi-Fi, il a un certain nombre de réseaux qu'il peut garder en mémoire et qu'il peut détecter. Mais du coup, ça sera l'occasion de peut-être d'améliorer un petit peu ce scanner Wi-Fi. Du coup, voilà comment ça va se passer. Donc là, c'est toute la partie interface utilisateur, ça ne m'intéresse plus, vu que j'ai à peu près une listbox qui est utilisable. Donc au niveau de la gestion du Wi-Fi, on a un scanner qui va nous envoyer des notifications. On avait d'ailleurs transformé une partie de l'application, qui était le Wi-Fi test de mémoire, celui qui faisait le display. Il était par là. Bon. On avait fait une tile spéciale qui permettait d'afficher notamment le. Je vais pas resserrer la main dessus, c'est dingue. Ah si, c'est celle-ci. Qui faisait le draw Wi-Fi stat et qui était drivé notamment par. Si je ne m'abuse, parce qu'elle se basait sur des données très particulières qui venaient d'un tableau. Alors on avait le get average for e Wi-Fi max channel. Le get average c'était ça, et on avait les channel measures. Voilà. Et ça c'était donc le code qui faisait donc insert measures. Ah, c'est tout un bazar. Voilà. Le AP list update handler. L'AP list update handler c'est un callback qui était appelé par un scanner qui mettait à jour justement la liste des AP. Et donc l'idée c'est de faire un genre de contrôleur à part entière qui soit défini un petit peu comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on va notamment lui enregistrer un handler pour les comment dire pour gérer la tâche, notamment les différents tiles qu'on va voir, et à partir de là on va pouvoir s'en servir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir donc une tile particulière, et je vais faire un sous-module ici en C pour gérer ça, de manière à pouvoir mieux architecturer tout ça et gérer plus facilement, disons, le code qui est en rapport avec cette tile en question. Je vais essayer de grouper ensemble la partie qui affiche, pas le scanner qui affiche les différentes barres de niveau de signal en fonction des canaux, mais bien celui qui gère la listbox notamment, qui va être utilisé. Donc on va faire un premier fichier en plus, histoire de scinder tout ça. Donc ça sera le wifi scan.c. Alors là c'est juste un fichier C pour l'instant, il y aura certainement un input qui va venir avec. Que pour l'instant j'ai pas du tout que j'ai pas intégré, ce qui fait pas partie de la. Ça c'est ma lib graphique, et ça c'est mon code principal. Donc ça c'est propre le code qui fait le Wi-Fi scan. Du coup il va aller dans le Wi-Fi, il faut que je le mette ici. Ouais, tu le déplaces là-dedans. Voilà, donc Wi-Fi scan, il va aller dans le Wi-Fi. C'est la partie qui gère le Wi-Fi en fait dans le projet de la Quad. Et c'est elle qui va. Enfin c'est ce bout de code qui va gérer notamment. Et bien. Le scanner graphique. Donc on va appeler ça, c'est pas UI, on va faire un include wifi scan.h. Comme ici j'avais fait un include dans wifi de wifi.h, hein, exactement pareil. Donc on va faire un nouveau fichier wifi scan.h qui va permettre de faire une interface avec l'extérieur. Et on est parti, on passe inc. J'avais respecté quelques conventions ici pour la partie ok wifi, donc ça va être pareil. Wifi scan.h. Si c'est pas défini, on définit, et sinon, du coup, on vient mettre comme ceci. Voilà, ça permet de définir notre contrôleur. Donc je rappelle, hein, c'est ce... Là, je suis en train de développer en fait la partie ici, celle-ci. La partie qui va gérer le contrôleur de l'interface avant de le binder à l'interface. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette structure ici, ce système-là qui va pouvoir tout simplement être notifié. Et donc le contrôleur, c'est lui qui va gérer différents affichages
au niveau de la montre, il va gérer cet affichage là et gérer cet affichage là. Donc en fait, à chaque fois qu'on va voir qu'on va instancier celui-là, on va lui donner, il va pouvoir nous donner en tout cas, nous insérer automatiquement deux tiles qui sont les deux écrans qu'on va voir ici. Et ces écrans seront gérés par l'interface utilisateur. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est juste mettre à jour les différents contrôles qui vont être affichés et répercuter en quelque sorte le résultat du scanner. Alors, on avait un contrôleur, bien sûr, qui était le Wi-Fi Driver Interface ici, qui faisait des notifications, mais ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser du coup. Ça sera un client de la partie Wi-Fi. Wi-Fi scan.h, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux là? Include, show fixing. Ajouter une queue de page, modifier de paramètres, donc pour l'instant on s'en fout, hop, on va partir là-dessus. Donc, dans Wi-Fi scan.h, du coup, on va avoir affaire où on va inclure forcément le Wi-Fi.h, parce que ça, on va en avoir besoin. Donc, le Wi-Fi.h, c'est le contrôleur Wi-Fi, c'est une tâche qui tourne en arrière-plan, qui permet d'être notifié. Et dans ce contrôleur, on a quelques primitives qui peuvent être appelées, notamment, on peut enregistrer un event handler pour pouvoir notifier des événements Wi-Fi qui vont se produire. Les événements Wi-Fi, on les a ici, hein. On a le scan qui est fini et la visite. Change your scene, you dumbass. Ben voilà, merci. Bon, c'est de... on commence bien, c'est cool. Merci. Donc, j'étais parti dans mes explications sans armer le code, forcément c'est plus compliqué. Mais donc là, on a ce Wi-Fi contrôleur qui peut être piloté donc avec ses. Avec ces éléments-là. Et donc l'idée, c'est que une fois que le Wi-Fi contrôleur est démarré, si on instancie un Wi-Fi scan, du coup, il va venir s'enregistrer en tant que client des événements qui vont être publiés d'une certaine manière par ce contrôleur Wi-Fi, et il va donc enregistrer un handler. Donc bien sûr, ici, il sera enregistré de base parce que c'est une des fonctionnalités qui sera présente dans l'application. Donc là, typiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais créer mon Wi-Fi scan avec une routine init. Donc ici, on va faire un void Wi-Fi scan init. Hop. Alors, juste comme ça pour l'instant. Donc là, typiquement, hop. Alors bien sûr, il va utiliser l'interface utilisateur aussi. Donc il va falloir que je lui demande d'utiliser l'interface utilisateur avec UI.h. Donc un peu ce qu'on retrouve ici dans le main d'ailleurs, pour la gestion de l'interface. Alors vous allez voir ici, à chaque fois qu'on veut utiliser un contrôle, pour l'instant il faut utiliser ça. Même si, pour l'instant, donc voilà, tout ce qui est interface utilisateur, après s'il me faut des boutons, des labels, des listbox, etc. C'est quelque chose qui va me servir. Et en l'occurrence ici, il va me falloir une listbox pour gérer ce truc là. Donc on y va, hop, on est parti pour la listbox, tac, ici. Et donc vu que je vais devoir garder des références sur des contrôles, et bien du coup je vais me faire une petite structure qui évitera de tout éparpiller. Hop, qui sera dans la structure ici que je vais appeler donc Wi-Fi scan. Et donc dans cette structure, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir une référence sur la listbox. Voilà, la listbox que l'on veut piloter. Donc là, grosso modo, dans cette listbox, donc j'aurai un widget listbox t qui correspond à ma listbox associée ici. Alors ça sera un pointeur, parce que du coup la listbox, ça sera... Là on est sur le contrôleur, on n'est pas sur la partie qui va créer l'interface. On va venir connecter une listbox à ce scanner en disant, bah voilà, quand on initialise le Wi-Fi scan, du coup, eh bien on va lui passer un pointeur sur la listbox qu'il doit utiliser. Et donc, d'ailleurs ça serait bien que je le renomme PListbox. Voilà. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais l'initialiser, je vais lui dire, bon bah, tu as un scanner ici, donc là pour l'instant je lui passe une listbox, je lui passerai aussi certainement un contrôle particulier, et la listbox, il va venir ajouter automatiquement. Alors l'idée ici, c'est de pouvoir notamment créer un client qui va permettre une boîte de dialogue de sélectionner un réseau Wi-Fi. En fait, vu qu'il est client du Wi-Fi scan, il devrait pouvoir se connecter à une listbox et venir peupler la... Qu'est-ce que tu fais, l'ami pandémie? Je développe un truc pour un firmware pour une smartwatch comme ceci pour un scanner Wi-Fi en particulier. Donc là, on développe toute l'interface utilisateur et le code qui fait le scan. Donc, au niveau interface, bon, c'est pas dit que ce soit la forme définitive, hein, typiquement, ce qui a pas mal de trucs à faire encore. Mais on va essayer de s'approcher d'un truc qui fonctionne. Donc l'idée, c'est que dans le main, j'instancie un Wi-Fi scan, et que dans le Wi-Fi scan, du coup, ils me permettent de créer potentiellement des tiles. Alors est-ce que je laisse le système créer ses propres contrôles et les gérer? Ça peut être pas mal, plutôt que ça soit un environnement extérieur. Ouais, donc dans ce cas-là, non, on va changer. Il va fournir, lui, il aura sa propre listbox,
ça sera plus simple. Sinon, ça va être galère. Alors moi, je suis sûr que le truc contrôle intégralement, et surtout, je peux intégrer n'importe quelle Xbox, à n'importe quel budget, une fois ou deux, dans l'interface utilisateur, et ça ne posera pas de soucis. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va avoir une Xbox pour l'instant, standard. Et c'est cette routine-là qui va l'initialiser. Donc, on est parti. On va initialiser notre Xbox. Ah oui, puis il nous faut aussi une tile pour pouvoir afficher le scanner. Là, ça sera la scanner tile. Ou la tile scanner plutôt. Okay. Et donc là, quand on initialise, en fait, on va déjà créer nos widgets et toute l'interface. Et on va exposer ici un tile T de manière à y retourner la tile. Et voilà, donc là, ça fait déjà deux fonctions qu'il va falloir implémenter et que l'on va pouvoir manipuler. Donc on va mettre ça ici, check. Et on aura un Wi-Fi scan T. On va appeler le scanner. Voilà, donc init, on va la coder. Et la tile, en fait, c'est une fonction qui va nous permettre de retourner l'écran à afficher qui va être créé. Donc, là, j'essaie de structurer l'architecture, l'application un petit peu comme je le ferai. Alors, pour l'instant, je tâtonne un peu, hein, y a pas de, rien de définitif. Se pourrait que je réorganise ça par la suite. Mais tout le code que je fais, là, il va pas bouger de base, parce que c'est toujours la manière de... C'est comme ça qu'on ajoute des contrôles, en tout cas, au niveau de l'interface. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est créer une tile. Alors, je mets généralement les commentaires en anglais. Hein. Donc là, on se fait une tile spécifique, donc c'est la view, en fait, de ce contrôleur. Tac. Que lui va piloter. Alors lui va juste piloter le modèle, c'est l'interface qui va faire appel ensuite avec des callbacks à la vue, mais bon, il faut quand même qu'on la mette en place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tile init. Donc tile init, on lui passe une structure tile. Donc du coup, qu'on a ici dans le gwscanner, .tilescanner. Et des user data que l'on peut lui associer. Alors ici en l'occurrence on s'en fout un petit peu. Parce que typiquement quand je crée par exemple ici une tile dans l'interface utilisateur, je vous montrer ici comment je fais, typiquement je ne lui donne pas de données. Mais on peut très bien associer une structure à cette tile et récupérer cette structure par la suite. Là ça va pas ça. Donc là je lui passe null pour lui dire que j'ai pas envie de stocker des données en plus avec ça. Ça peut servir sur des callbacks par exemple. Déjà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va demander d'ajouter une Xbox dans cette tile. Alors bien sûr, la coordonnée de la Xbox va varier. Donc typiquement ici, on va mettre une Xbox. Alors, les coordonnées de la Xbox, je vais l'inclure ici dans le Wi-Fi scan.h. Ça sera partie des configurations qui seront mises ici. Donc je vais définir ici define. Wscan, parce que ça sera. Ouais, d'ailleurs, ça serait pas mal de mettre Wscan du coup plutôt que Wscanner. Ça sera un peu moins long à taper. Et ça. Ok, Wscan. Donc ici, Wscan, Xbox X. Alors ici, je vais mettre. Ouais, 10 pixels, c'est pas mal. Wscan, Xbox Y, 10. Donc je mets du 10-10, et puis on va définir la size aussi de la Xbox, pour qu'on y ait. Donc on va mettre une Xbox Wiz de 220, et une Wscan Xbox 8 de 220 pour l'instant. On pourra réduire un petit peu la limite. Si on veut mettre d'autres trucs après, on pourra changer les dimensions de la Xbox. Et donc ça, c'est des constantes qui vont servir pour la création de la Xbox. Donc ici je crée ma Xbox, donc je fais un widget, parce que là on est sur le widget Xbox init. Et donc dans cette Xbox il faut qu'on lui passe tout simplement une référence sur le widget. Donc c'est une structure qui va stocker toutes les infos liées à la Xbox qu'on pourra nous utiliser aussi du coup. Hop, on va utiliser ça, donc on va lui passer une Xbox, une tile, ça tombe bien, on vient de la créer. Bon, c'est pas anodin hein, bien sûr. On va lui passer la taille que l'on a créée, toujours par référence, et ensuite on vient lui passer là, tout simplement les coordonnées, donc en X, en Y, la largeur et la hauteur. C'était H.
Voilà, et donc ça, ça crée notre, notre disbox. Donc là, en gros, j'ai créé en mémoire la tile, la listbox. Donc j'ai associé la listbox à la tile. Donc dès que je vais donner la référence de cette tile, alors je n'ai pas précisé pour ceux qui sont un petit peu nouveaux pour le projet. Bonsoir Victor. Une tile, c'est un écran au niveau de l'interface. Donc ici, typiquement, quand je bascule en swipant d'un écran à l'autre, j'ai des tiles, des tuiles en fait, qui sont manipulées. Et donc ça c'est une tuile, ça c'est une tuile, ça c'est une tuile, et on bascule. Il y a un truc en 2D, c'est-à-dire qu'on peut très bien basculer une tuile comme ça, puis ensuite scroller verticalement. Alors là c'est mal géré parce que du coup, je pourrais faire ça sur le côté. C'est pour ça que la listbox est mal placée ici. Mais bon, passons. Et là en tout cas on peut scroller, enfin swiper verticalement ou vers horizontalement pour naviguer dans un truc en 2D avec des menus et des sous-menus. Alors ça c'est un écran noir qui est fait exprès pour pouvoir apprécier les animations. Donc pour cette partie-là, en tout cas, on est sur ça. Donc là, typiquement, si je retourne la taille, que je l'ajoute à l'interface, pouf, j'ai automatiquement ma listbox qui apparaît avec ce Wi-Fi scale. Donc du coup, si j'ajoute ce fichier-là, je vais vous montrer rapidement ici le mode opérateur. Donc ici, j'ai Wi-Fi playlist. On va demander aussi de mettre Wi-Fi avec Wi-Fi scale.c. Voilà, histoire qu'il prenne en compte notre projet. Donc le Wi-Fi scale.c est ici. Je peux initialiser. J'ai rien de particulier à passer. Et je vais faire un tile get tile. Et donc ici, je return. Et bien tout simplement le gwscan.tilescanner qui est une tile. Et je précise que c'est bien un pointeur sur cette tile. Alors ici, c'est pas vraiment un problème hein, au niveau du gscan. Par contre, on va s'assurer que c'est bien statique. Il ne faut pas que ça va en mémoire. Et donc la référence qui sera retournée, c'est bien une référence sur cette donnée-là. Change your scene, you dumbass. Décidément, j'arrive pas. Merci, il faut changer de scène. Ouais. On va y arriver, bougez pas. Non mais ça fait deux fois quand même. En quoi? Ça fait même pas longtemps que je fais le live. Ça commence mal ce soir. Sincèrement. La caméra en plus. Merci pour le follow, le dadou. Bon bah alors je suis le roi des trucs qui changent pas de scène. Mais bon, heureusement j'ai mis la possibilité de balancer une alerte avec quelques points. Manu au taquet sur le changement de scène. Merci, mon René. Impeccable. Du coup, ouais, merci Buntar de Bâtard qui vient juste de follow. Avec un pseudo, un petit. Bref. On parle des pseudos. Donc voilà. Donc ici j'ai ma widget. Donc là je retourne la référence sur la taille. Et là c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Donc maintenant si je veux tester voir si ça fonctionne, je vais dans mon main. Alors pour l'instant j'avais une taille qui était GPS Nicolas. Donc on va dans le main UI. Alors pas dans le main UI d'ailleurs, dans l'app main. Ce que je vais faire c'est là j'initialise le contrôleur Wi-Fi. Et juste après je vais initialiser. Alors pour l'instant c'est pas connecté au contrôleur, mais ça sera le cas par la suite. Je vais initialiser donc le scanner Wi-Fi. Hop. Donc j'initialise le scanner Wi-Fi. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, en initialisant le scanner Wi-Fi, je vais faire un Wi-Fi scan. Limit. Et bien sûr, il faut que je prenne soin d'inclure le fichier H qui va avec. Donc on va mettre ici un petit include. Alors bien sûr, après, il sera intégré dans le Wi-Fi. Donc ça ne va pas se faire suivre. Wi-Fi scan.h. Ok. Donc j'inclus ici le scanner. Hop, mon Wi-Fi scan limit. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il est initialisé, on va démarrer la partie Wi-Fi test et main UI. Et dans l'interface principale, du coup, dans cette fonction main UI, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire, alors ça c'est la routine qui crée l'interface utilisateur globale, je vais lui dire, ok, bah, j'aimerais bien que tu me mettes le tile qui est situé, allez, on va la mettre à droite de... alors j'ai mis la... Alors quelle tile est évidente, c'est ici. La network tile, et ensuite on a la main tile, la network tile de mémoire, c'est celle sur laquelle je dois avoir la liste, ouais c'est ça. Donc c'est quand je swipe c'est la première, j'ai la main tile qui est la main, qui est la tile qui affiche les réseaux, et si je veux par exemple remettre une liste docs, eh bien je peux très bien ici lui dire, ok, on va utiliser Wi-Fi scan, on va appeler get tile, comme ceci, qui est censé me retourner la taille. Et donc là, ça va ajouter à la droite du truc qui scanne les réseaux avec les niveaux, et eh bien une listbox. Donc voilà, on va tester voir si ça marche. Alors par contre, j'ai pas préparé, c'est pas cool. C'est là-dedans. Tac. Je vais préparer l'environnement de développement ESP-IDF, parce que c'est développé sur ESP32. Tac, on est parti. Voilà, un petit dev.pip build pour voir si je ne suis pas loupé dans tous les trucs, ce qui est assez courant. Bon, là, ça a l'air de plutôt bien passer. Et ensuite, on va flasher la smartwatch avec. Donc, on va pas flasher la smartwatch. On fait quelque chose comme ceci. Dev TTY USB 0. Flash monitor. Ça va flasher la montre.
C'est bien bon goût de jamais tester. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit qu'il trouve pas le port. Ah non, bon. Ouais, pourtant, je l'ai bien connecté. Attends, je vais voir que si c'est bon pour la partie. Parce que je pense que le câble USB peut-être pas bon. Un peu capricieux sur la connectique USB. Alors, ouais, bon, ça c'est des caméras qui pètent un câble, c'est pas grave. Alors. Ouais, c'est pas le bon câble. Du classique, je reviens prendre. Donc, je prends mon câble et j'arrive. Parce que si je prends pas le bon câble, elle n'aime pas du tout. En fait, c'est un câble qui a une prise USB un peu plus longue. Un connecteur USB un peu plus long et ça te permet vraiment d'aller dans la montre. Voilà, là c'est bon. Donc là on peut faire un flash. Alors la montre de la douche, je l'ai prise sur AliExpress ou Banggood, je sais plus. Je crois que c'était peut-être Banggood. Entre 20 et 30 euros, après ça dépend des arrivages d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Alors voyons voir. Oh putain, c'est beau. Là, je vous montre ça, bouge pas. Donc là, typiquement, j'ai juste. Ah, tiens, la caméra a rendu l'âme. J'ai l'impression que la caméra est pas. Je l'ai connecté où? Oh putain, j'ai pas vu sur le bon truc avant. C'est pour ça. Tac. Pour les modifications intempestives. Alors, elle se trouve ici. Voilà, c'est mieux. Hop, voilà. Ça, c'est pour la tablette graphique, on s'en fout. Donc ici, je suis sur l'écran principal, donc il est noir. Ensuite, je bascule sur le scan, enfin, la listbox et mettez le listbox. On voit ici que ça scrolle. Ensuite, on est sur l'affichage du scan par type de réseau, enfin, canal, pardon. Et ensuite, ici, on a une listbox qui est vide. Sur lequel je peux scroller. Alors je peux scroller actuellement parce que en fait le scroll est mal foutu et pas encore bien ficelé, mais vous voyez ici notamment on a ce scroll qui est en place. Ouais, toi tu mettras là, c'est le nom de mon réseau. Hop. Donc ici voilà, on peut scroller, on peut naviguer sur le truc. Pour l'instant il n'y a pas d'éléments dedans, mais on va en mettre. Et donc typiquement j'ai une listbox qui est vide. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est rajouter des éléments visuels dedans de manière à ce qu'ils puissent être affichés au niveau de l'interface. Quand on aura fait ça, on aura quasiment atteint l'objectif. Il ne restera plus qu'à régler les problèmes de navigation dans la listbox, c'est que des problèmes d'interface utilisateur, d'interface graphique en fait. Mais les contrôles sont présents. Donc on est parti. Pouf, le code. Donc là vous avez le petit debug au niveau de la montre. Donc ça c'est good, donc le wifi scan, bah écoutez, la listbox ça marche. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, pour que ça puisse se nourrir comme il faut, eh bien il va falloir que l'on ajoute. Alors je vais commencer juste avec des labels, hein, pour pas me casser la tête. Je vais ajouter un texte, un label à chaque fois que j'ai un réseau qui est repéré. Alors en fait il faudrait que je sois un peu plus judicieux parce que globalement il va falloir que je repère comment dire. J'ai une liste ici qui est présente de points d'accès, qui a un certain nombre de points d'accès maximum sur lesquels je peux parcourir. Donc je peux ajouter des éléments, je peux faire des énumérations dessus. Donc l'idée, ça serait de faire une énumération sur ces points d'accès à partir du handler et de mettre à jour la liste en fonction de ce qui est trouvé. Sachant que la liste, elle n'est pas ordonnée, elle ne change pas tellement, mais on devrait pouvoir utiliser ça parce que c'est ce qui est aussi utilisé de l'autre côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais register un handler pour me... Alors, register spécifique handler. Comment je fais ça? Pour les événements qui sont liés au scanner. Voilà. Donc là, on va définir notre propre fonction qui va faire le handler. Un peu comme c'était présent ici. Alors, j'avais fait dans la fonction principale, c'était. C'était pas celle-ci, c'était insert mesure qui était appelé par je sais plus quelle fonction. Voilà. En fait, ça c'est mon handler de base, donc on va s'inspirer dessus là. Je vais le reprendre tel quel pour l'instant, même s'il ne sera pas utilisable tel quel. Hop, on va l'insérer ici. Donc celui-là il ne sera pas exporté, hein. C'est un truc que j'ai en interne, c'est la tambouille du scanner Wi-Fi.
Et par contre, ce qui va être intéressant ici, dans ce système-là, c'est qu'on va pouvoir voir comment il a enregistré et reprendre vite fait la méthode. Donc ici, voilà, il est géré par Wi-Fi Control Event Handler Register. Donc il faut pour ça que le contrôleur Wi-Fi soit activé. Donc ça, on verra comment on peut savoir s'il est activé ou pas par la suite. Moi, je considère de toute façon, dans le code, pour l'instant, il est activé, donc il n'y a pas de problème. Donc on va enregistrer un handler, voilà. Donc on lui dit, écoute, je veux être notifié dès que la liste des AP qui est détectée est mise à jour. Et à partir de là, tu appelles la fonction AP-list, etc. Donc là, on va l'appeler WSCAN, AP-list update handler, et on va ensuite modifier tout le code. Parce que là, c'est juste pour nous. Donc il nous dit, voilà. Donc en fait, cette fonction-là, elle va être appelée par le scanner Wi-Fi à chaque fois qu'on aura un système de mise à jour. Et comme vous pouvez le voir ici, on fait une boucle au niveau des. Une énumération en fait au niveau des AP. Donc l'idée, ça va être pour moi, dans ce système-là, eh bien, de faire une énumération au niveau des points d'accès et de mettre à jour les labels. Donc je vais mettre une étiquette, un label dans la liste, dans la liste box. Et je peux ensuite, à partir de ce code, eh bien, décider d'ajouter un label, de retirer un label. Pour faire simple, pour l'instant, je vais garder en mémoire le nombre de points d'accès. Quand je vais avoir parcourir la liste des AP, construire une vue mémoire avec la liste des AP, donc je saurai combien de points d'accès ont été détectés, et je vais stocker ça dans un tableau dans lequel j'aurai notamment, eh bien, bonsoir Giberto, dans lequel je vais aussi avoir des références sur les widgets qui seront associés. Et en fonction, eh bien, je vais ajouter ou supprimer les widgets de la liste, ce qui me permettra du coup de les gérer. Alors, cette partie-là, elle est encore un petit peu en chantier dans ma tête, si je puis dire, mais on devrait pouvoir avoir quelque chose qui devrait fonctionner. Alors, je peux faire un truc crade pour commencer, hein. Je peux tout simplement, à chaque fois que je... à chaque fois que je mets à jour, je peux enlever tous les widgets, remettre tous les widgets. C'est pas forcément ce que je souhaite faire. Donc ça peut être une solution quand même. Le problème, c'est que le risque, c'est qu'au niveau de l'interface utilisateur, si on est en train d'afficher le widget, eh bien que le widget disparaisse à l'écran, et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que ça fasse un gros flicker à l'écran, on veut que ça soit vraiment géré, et que ça soit inséré de manière fluide. Donc après, ça c'est pareil, c'est un truc qui est pas pris en compte pour la manipulation au niveau des handlers. Bref, passons. Donc ici, on a notre contrôleur Wi-Fi qui est utilisé. Alors je l'ai déclaré notamment dans Wi-Fi Scan. Pardon, je fais des bêtises. Dans Wi-Fi Scan, en fait, dans le Wi-Fi.h, j'ai le contrôleur Wi-Fi qui est dispo. Donc on peut appeler notamment Wi-Fi AP List Enum First, etc. Du moment que le système Wi-Fi est initialisé, ce qui sera le cas. Donc ici, Wi-Fi AP List Enum Next, on boucle sur les records. Et ensuite, on a. Là typiquement, j'ai inséré des mesures sur la qualité du signal. On va faire une petite manipulation sur la qualité du signal ici. Mais l'idée pour moi, ça va être à mon avis de définir une liste finie pour l'instant de points d'accès. Donc je vais dire par exemple que dans ma liste, je vais afficher que les 15 premiers points d'accès, ceux qu'on capte le mieux par exemple. C'est purement arbitraire pour l'instant, c'est juste pour voir si ça fonctionne et puis après on adaptera le mode de fonctionnement. Sachant que la liste des AP qui est captée par le scanner Wi-Fi, on peut y avoir accès. Le problème en fait qu'on va avoir, c'est d'arriver à linker, à faire une liste, un tableau associatif en fait entre les noms des points d'accès et et tout simplement les widgets qui les correspondent. À moins de gérer une seconde liste dans ce contrôle là pour. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce qu'on se met une liste en plus? Quitte à ce que ce soit une taille finie, c'est pas grave. Pour l'instant, on va considérer que si on a 20 AP visibles dans le coin, c'est pas catastrophique. Ou alors, quitte à faire un tri après sur le niveau de signal. Ou alors, est-ce que je fais une seconde liste? Une seconde liste, je trouve ça débile, ça bouffera de la mémoire pour rien. Après, la gestion des contrôles peut être aussi intéressante à faire, dans le sens où on peut effacer, virer tous les widgets de la liste. Aïe, je me tâte. Je sais pas trop comment appréhender le problème ici. Idéalement, il faudrait garder les structures en mémoire stockées dans la liste qui existe déjà. Ça éviterait de tout mettre en doublon. Ce qu'il faudrait juste pouvoir associer à cette liste, c'est lui dire, pour la liste du truc, c'est ce widget-là qui drive ce point d'accès. Et donc, quand le point d'accès disparaît, eh bien, potentiellement, on peut retirer
le label, ou alors on se réserve juste des labels avec des slots et on les met à jour au fur et à mesure, tel que ça vient. Et s'il y en a un qui disparaît, bah, du coup, on s'assure qu'on a suffisamment de labels pour pouvoir stocker les noms des réseaux. Ouais, ça me semble pas trop mal. Du coup, ça, on peut juste la loguer en statique pour l'instant, puis voir comment on peut gérer par la suite. Voilà, on va faire comme ça. C'est crado, mais c'est pas grave. Enfin, pour l'instant. On va mettre ici wscan max appelé. Donc ça, c'est le nombre de points d'accès maximum qu'on va pouvoir supporter. Alors, je vais en mettre 100, ça sera largement suffisant. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va taper, on va garder une liste de widget label T. Donc, c'est des pointeurs sur des labels pour l'instant, qui sera donc ici une liste, pardon. Des AP, juste on va appeler ça AP, donc avec wscan max AP. Alors c'est sale, je vais changer ça par la suite, là c'est juste pour voir si ça fonctionne après correctement, et on va se garder le nombre d'AP. Donc tout ça on va l'initialiser bien sûr. Donc là j'ai dit quoi, c'était des pointeurs sur des labels, non c'est des structures de labels, ok cool. C'est parfait. Donc là, dans l'initialisation, du coup, on va initialiser aussi ces informations-là. Donc, set parameters. Et dans ces paramètres, on va mettre gwscan.mbap égale 0. On considère qu'on n'a pas d'AP disponible. Et donc, quand on va parcourir la liste dans d'énumération, ce qu'on va faire, c'est que on va limiter le nombre de points d'accès. Donc, on va compter ici le nombre de points d'accès. Ça saute. On va faire ici. On va compter directement. Quand on met à jour la liste, l'énumération au niveau de la liste, en fait, ce callback il peut être appelé plusieurs fois avec différents points d'accès, et ça, c'est ça qui fait suer. C'est que du coup, ah non, ça marchera pas mon truc. Là. Ça marchera. Attendez. Non, c'est la liste unique, c'est bon. J'ai des bêtises, je fais que dire des bêtises, il n'y a pas de problème. Donc là, on peut démarrer l'énumération. Donc, on boucle l'énumération. On commence en disant, bah. C'est pas grave, vu qu'on va remettre à jour la liste, on va considérer que le nombre d'AP est à 0. Voilà, donc on va pas commencer cette partie là pour l'instant. On va dire qu'on initialise le initialize disbox update. Tac. Et donc ce qu'on va faire dans cette disbox, c'est qu'on va venir en fonction du nombre de points d'accès que l'on a ici. Alors attendez. Non, on peut pas faire ça comme ça. On a 10 MBAP pour l'instant, c'est ça, j'aime pas ça. Bon, je fais un peu de développement à l'arrache, mais bon. Donc ici, 10 MBAP à 0, ça c'était bon. Je vais ici. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on boucle, on récupère un record, et ensuite on se garde deux éléments dans la liste, parce que du coup, faut qu'on crée la label. Alors, on va paramétrer le texte, donc c'est good way. Donc ici, okay, par contre, j'ai oublié un truc, c'est que il va falloir qu'on initialise tous les labels. Donc là, il faut que autant de widget qu'il y a de labels. C'est ça qui va être. C'est pour ça que c'est pas optimisé en l'occurrence. Mais bon. Alors, for i égale 0, i inférieur à wscan max AP. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est tout ça comme code. Promis, on change ça. Donc, on va faire un widget in widget label init. Ah, d'ailleurs, j'ai pas inclus le label, c'est pas cool. Donc on va profiter pour inclure un label. Hop. Tac. Et donc on va initialiser notre label. Avec ici, donc gwscan.aps. Donc ça c'est des labels de i. Ça représente une structure qui va stocker un label. Donc on lui passe la tile sur laquelle le label est associé, c'est-à-dire null, parce que pour l'instant on va l'insérer ou pas dans la liste. On lui donne un x, je vais mettre 2 pour l'instant, ensuite de y, de toute façon ça c'est des choses qui seront reparamétrées dans la disbox, donc on s'en moque. Là oui c'est pareil, c'est quelque chose, si je mets 10, ça n'a rien à faire. Par contre la hauteur elle est importante parce que ça va rester. Et le label du coup, bah, ça va être le nom de mon AP.
Donc le nom de mon API ici, ça va être typiquement, si je me trompe pas, bah, du coup, pour l'instant un texte vide. Voilà, donc là je fais juste que créer les widgets qui vont pouvoir être manipulés par la suite. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ces widgets, du coup, ce qu'on peut faire, c'est en fonction du nombre d'API qui est déjà présent et du nombre d'API qu'on est en train de traiter, on peut savoir si on a besoin d'ajouter le label, ou de s'il n'est pas déjà présent en tout cas, de l'ajouter à la list box. Et de toute manière, on sait s'il est déjà présent parce qu'on connaît le nombre d'éléments de la list box normalement. Par contre, parce que j'ai un truc qui permet d'avoir le nombre d'éléments de la list box. J'en ai pas, il va falloir qu'on implémente. Donc dans la listbox, pouf, ici, listbox, donc pour l'instant, on va modifier un petit peu la listbox pour avoir ces infos-là, comme ça me permettra d'utiliser la listbox pour stocker ces données. Donc on va faire un idée, un widget, listbox, count, donc cela, ça va nous compter le nombre d'éléments de la listbox. C'est plus simple, et vous allez voir, c'est super facile à implémenter. Hop, on va faire ça ici. J'implémente ça dans la listbox. Bonsoir SnakeAZ. Donc ça c'était listbox remove. Je documente ça après bien sûr. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite un truc comme ça, tac, en reprenant un bout de code qui avait été déjà fait. Où du coup on va compter le nombre d'éléments. Donc n qui vaut 0. Et à chaque fois qu'on a un item, donc si p-item est différent de null, on fait un n++ et ensuite on passe à item suivant. Si bien sûr p item de p next est différent de null. Et on souhaite bien faire ça comme ça. Comme ça je mets n à 1 ici, c'est 0 sinon. Donc là, hop. Alors, je réfléchis à son truc parce que là, si p item de p next. Dans ce cas-là, on retourne 1. Je n'arrive pas à avoir une routine plus propre. Là, si j'ai passé le premier, donc ça fait 1. Et du coup, si un pnext est égal à 1, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce que j'arrive au dernier. Ok, c'est bon. Item est égal à item de pnext. Ok. Ça devrait être pas mal ce truc là. Et dans ce cas là, on retourne n. De toute façon, quoi qu'il arrive, on retourne n. Donc hop, on arrête là. Donc, on fait ça que si c'est différent de null. Et à la fin, on retourne n. Et ça, ça va donner le nombre d'éléments. Donc je vérifie juste mon code, donc si on est sur le. Donc si on a au moins un élément, dans ce cas là on compte un élément, ensuite on loop sur les. On prend l'élément, s'il y a un suivant, on passe là-dedans, s'il n'y a pas, si on n'a pas de suivant là-dedans, ça c'est du biais du coup, hop, parce que c'est ce que fait déjà le while. Tac, donc s'il a un suivant, on compte un plus, on passe à ce suivant là, et ensuite si celui-là a un suivant, et ainsi de suite. Ok, c'est pas mal, ça me semble bien. Donc on va exporter cette fonction là, mais je crois que je l'avais déjà mis dans le listbox.h. Donc ça me permet de compter les éléments de la listbox et ça va être utile pour notre partie de scanner parce que du coup ici il va falloir s'assurer que on ait le nombre d'éléments de la listbox au moment où on fait l'appel. Donc hop. Donc la liste nb apps Donc au début premier appel on n'a pas d'éléments. Et normalement, bon, ici j'ai un nbapps qui correspond au nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Ok, donc ça c'est débile. Donc on va changer ça. Donc if liste de nbapps supérieur à jwscan.list
Oups. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on ajoute un label. Ouais, ça va être un peu sympa, je pense, ce truc-là. On va bien se marrer à le faire. Donc, je vous... ça pour l'instant. Donc, ListNBApp, c'est le compteur qui va me permettre de compter. Ici, donc, si j'ai... donc, si j'ai le compteur courant qui dépasse le compteur de nombre d'éléments, il faut que j'active les labels, il faut que j'ajoute les labels qui sont supérieurs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un widget listbox add, tac, et on va lui ajouter, donc c'est dans gwscan.listbox, on va venir lui ajouter le widget qui correspond, à savoir gwscan.... c'était nbapps d'ailleurs. Fait des bêtises, donc apps du coup de l'élément que l'on a, donc c'est de list nb apps, voilà. Et donc dans ce cas là et bien sûr avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un widget label cette texte du même widget, et on va lui configurer son nom point d'accès. Et pour ça, on va lui passer une pap record qui est un pointeur, du coup, et on va lui passer le ici. Et voilà. Et de sa manière, on va configurer le nom de notre point d'accès. Et du coup, vu qu'il sera linké totalement à partir du record, si jamais le nom change pour une raison X ou Y, le label changera le nom. Ça, c'est plutôt intéressant en termes d'usage. Et on ajoute ensuite à la listbox. Donc là, au début, j'ai pas de point d'accès, donc j'ai un nbapps qui est à 0, et donc dès que j'ajoute, je fais aussi un gwscan.nbapps plus plus. Okay. Voilà, donc là au début on a 0 point d'accès ici, on a 0 point d'accès dans la listbox, j'ai un point d'accès qui a perdu. Je fais en sorte ici d'ajouter le point d'accès dans la listbox. Donc et du coup il va être visible, il va être affiché automatiquement dans la listbox. Ensuite ici, au niveau du nombre d'AP qui sont détectés, et bien du coup je le compte comme étant dans la listbox. C'est le premier label, il va être référencé comme étant affiché avec le nom du réseau Wi-Fi. On passe ensuite au suivant et on l'augmente comme ça. Maintenant le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais à la fin de cette routine d'update, nbapps est supérieur à la liste d'nbapps, c'est-à-dire que j'ai perdu des points d'accès, il faut que je retire les points d'accès qui était en trou au niveau des labels. Donc là, ça joue qu'au niveau des labels, c'est juste de l'affichage. Hein. On travaille pas sur des... Pour l'instant, il n'y a pas forcément de mémoire qui va avec. Je cherche juste à faire un scanner qui affiche les points d'accès environnés. Et donc, une fois que j'ai fait cette boucle de mise à jour, ici, donc à partir de cette mise à jour, donc ça c'est voilà. Donc là, typiquement, c'est all access points, all scan. Access points, tac, et ensuite on va remove les anciens, ceux qui ont disparu. Remove all access points. Memory detected. Même si en soi, normalement, ça n'arrivera pas pour l'instant, parce que je ne supprime pas dans la liste des points d'accès. Il n'y a pas de notion de fraîcheur des informations qui sont retournées, en tout cas à ce niveau-là. Donc, on va supprimer les anciens points d'accès qui sont plus détectés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on le fera que si on a gwscan.nbapps qui est supérieur à list nbapps. Alors. Donc, c'est le cas précédent. Donc là, typiquement, j'ai un list nbapps. Disons que j'ai 10 points d'accès et 11 dans ma liste. À la fin, ici... j'aurai donc 10 et j'aurai un GNBApps qui vaut 11, donc il est supérieur à ce niveau là donc il faut supprimer celui qui reste. Donc pour i qui vaut de listNBApps tant que i est inférieur à gwscan nbapps, j'ai pas mis gwscan nbapps avec i++, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer de la liste des widgets en question. Ils ont déjà tous été alloués, de toute manière. Donc on fait un widget listbox, remove, on lui passe la listbox que l'on gère, donc c'est celle-ci, et on lui demande de retirer le widget qui correspond, à savoir gwscan.apps de i-1. Alors pourquoi j'ai mis i-1 ici, et liste de nbapps? Bah, typiquement ici, au début, on commence à 0, sur la liste de nbapps, bah, d'ailleurs, ça n'est pas -1 ici. Hein.
qu'elle n'est pas incrémentée avant ça. Donc ici c'est bien ça, et en gros ici, donc à la fin c'est incrémenté, donc si j'ai un réseau Wi-Fi qui est trouvé, voilà, les deux réseaux Wi-Fi qui est trouvé, je n'ai que un dans la liste, ici à la fin j'aurai Elist NB Absat 2, donc seulement vu que j'utiliserai que le réseau, non c'est quand j'en avais un seul détecté et qu'il y en avait deux dans la liste précédemment, du coup j'aurai un NB Absat 1, et il faut que je vire du coup à partir de l'index 1, donc c'est pour ça ici que je parle ici. Mais par contre l'index 1 au niveau de ce réseau, du coup c'était à partir de... Non c'est ça, c'est bien en fait, pas I-1. Réfléchir, on dit dire des bêtises. Donc là typiquement au début de ma liste, du coup. Partons du postulat qu'ici j'avais deux réseaux détectés et qu'il n'y en avait plus qu'un. Donc le list NBAPS il va valoir 1 à la fin de cette routine là. J'ai vos deux, donc on va de 1 à 2. Et il faut qu'on supprime le deuxième. Donc si je supprime le premier et on passe une fois là-dedans, bah c'est ça, c'est bon. Bon. On va voir, ça, cette partie là pour l'instant ça ne se produira pas. Mais... Donc on va essayer de build, voir si ça passe et si j'ai pas fait trop de boulettes sur la partie dev. PITEM, erreur, PITEM undéclared. Ok, j'ai pas oublié de déclarer le PITEM parce que j'ai fait un copier-coller à ce niveau-là. Donc le PITEM, il est défini. Ok, il est défini d'ailleurs. C'est dans mon lesbios.cr. C'est quand j'ai implémenté la récupération du nombre d'éléments, j'ai pas déclaré PITEM qui est ici. Ok, bon, c'est pas méchant. Donc là, c'était. Alors, est-ce que ça build ça, pour l'instant, j'ai un i qui n'est pas déclaré. Qui doit être, je vois à peu près où il est. Alors, ça, c'est du code résiduel. Mais dans wifiscan.c, en tout cas, j'ai un i qui n'est pas déclaré. Qui est exactement. Qui est bah, du coup ici. Tac. J'ai peut-être un deuxième aussi, mais je crois que j'avais déclaré dans l'autre. Le tag, il n'est pas défini dans wifiscan. Ok, on va le définir. C'est pour le log, principalement. Hop, define tag wifiscan. Hop, alors est-ce que ça marche cette fois-ci? J'ai encore un i qui n'est pas déclaré, je pense savoir que c'est ici. Ici for i, et je l'avais pas défini. Ok, voyons voir si c'est mieux. Toujours pas, flux, que j'ai fait. PAP record de SSID. Alors, error, point target in argument 2, widget double set text, define signness. Ok, un point de signe, le PAP record ici. PAP record. Pourquoi ils ont PAP? C'est un wifi numlist. Donc le wifi numlist c'est l'AP list. Enumlist, enum first, c'est bien wifi APT. Le wifi APT, j'ai un SSID, c'est un. C'est un unité 8 et c'est pas un char, du coup il va gueuler. Donc c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est un problème de signe. Donc on va lui forcer le char étoile parce que du coup c'est un truc qui est imprimable. Donc on va le changer ici en lui disant que le set text sur le SSID c'est bien char étoile. Voilà. Petit problème de casting de pointeur. Et ça bille. Ok. Donc là on va pouvoir faire un flash. Donc là, normalement, alors, je m'attends pas à ce que ça marche du coup, les coups. À mon avis, on va avoir quelques petits bugs. Mais normalement, on a la listbox qui va être mise à jour avec les différents éléments. Et ça devrait régler le problème. Alors, bien sûr, à terme, je vais pas avoir un truc à louer en dynamique, en statique comme ça. C'est un peu crado. De faire ça. Oh putain, c'est bon. Alors, voilà ce qu'on a. Donc, je peux naviguer, scroller mes réseaux. Et là, j'ai Touch My Travel là. Alors, le M majuscule, il s'affiche merdique parce qu'il y a un problème dans la fonte. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le M majuscule, il est tout pourri. Il faudrait que je l'améliore. Mais ensuite, on voit Orange. J'ai une Livebox 83.5D qui est aux alentours. Et il y a plusieurs réseaux Orange qui ont été détectés. Donc, ce sont vraiment des réseaux Orange propres qui sont détectés ici. Donc là, typiquement, j'arrive bien à naviguer dans ma liste de réseaux, à l'afficher. Alors, il faudra que j'améliore le rendu au niveau de la debug, bien sûr. Si vous regardez bien, il y a un petit bug graphique qui traîne. Je sais le trigger pour que vous puissiez regarder. Ah, j'ai pas ce qu'il y a là. Merde. Là.
y a un tout petit peu de blanc là, qui apparaît en haut, notamment quand ça, c'est censé déborder, et ça normalement c'est pour le... Je sais d'où ça vient, c'est l'affichage du label qui merdouille, mais là en gros c'est un très léger bug. Mais là typiquement j'ai réussi à afficher donc, l'ensemble des réseaux qui étaient présents ici au niveau de mon système. Et donc ça c'est cool. Ça veut dire que grosso modo, attendez, je vais organiser 2-3 trucs à côté. Ça veut dire que ça marche bien. Et du coup qu'on a bien listé. Donc vous voyez après une fois qu'on a développé toute la partie interface utilisateur, rajouter des labels dans une Disbox, ça se fait tout seul quoi. Mais faut se prendre un peu chou avec la partie interface utilisateur. Donc là ça scrolle indéfiniment pour l'instant, parce que j'ai pas mis les limites au niveau du scroll. C'est un peu débile. Merci pour le follow Splatim. Et donc après, bon, idéalement, quand je tape dessus, il faudrait que ça sélectionne le bon réseau en surveillance, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je mettrai par la suite, qu'on va développer là, hein, je vous rassure, et qui permet de gérer ça. Donc là, typiquement, on voit que le scanner Wi-Fi, alors ça va de pair, hein, en fait, c'est le même code, le même scanner qui fournit les données pour cet écran-là, et qui fournit les données pour cet écran-là. Exactement, donc on a un truc centralisé, et 3-4 manières de visualiser les informations. Qui permettent justement de mieux appréhender le nombre de points Wi-Fi environnants, etc. Et donc ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, ça marche bien. Je suis assez content, là, du coup, d'avoir un genre d'animation, même avec une gestion du touch qui marche pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Donc, pour la suite, ici, donc typiquement, c'est... Au lieu de mettre un nom de réseau, ici, qui est basé sur un label, du coup, il va falloir qu'on se traîne une liste, mais pas une liste complète, ça sera juste 8 octets par élément, de manière à ce qu'on puisse retrouver les éléments du réseau, donc un pointeur sur la structure qui contient le niveau du signal, etc., qui va être associé à un widget qui va permettre ensuite... Il y a 2 réseaux sur le premier et 5 dans la listbox. Non, il n'y a pas de réseau en fait. Là, il y en a plusieurs, c'est juste qu'il y a 2 canaux qui sont utilisés par mes réseaux. Il y a le canal 1 ici et le canal 6. Donc, ils ne sont pas numérotés, mais il faut que je mette après, bien sûr, les numéros de canaux en dessous. Mais typiquement ici, j'ai 2 canaux qui sont employés pour tous les réseaux du quartier. Alors, je suis dans la pampa, hein, on n'a pas énormément de réseaux, comme vous pouvez voir. Je pense que si je suis en région parisienne, j'en aurais eu beaucoup plus à scroller. Mais typiquement ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas de changement de nom de réseau entre les différents éléments ici. Ils ne switchent pas. Parce que du coup, la liste qui est gérée par le scanner ici, elle est maintenue. Donc en fait, toute la liste des réseaux est maintenue en mémoire par le scanner. Et moi, je fais juste que requêter le scanner et je lui demande de me donner des noms. Et je vais donc ici faire pointer les noms directement sur les données qui viennent du scanner. Donc c'est normal ici qu'on ait 5 réseaux. En fait, on a celui-là qui est sur le channel 6, je crois, le mien. Les oranges ici doivent être sur le channel 1 à côté, le livebox peut-être sur le channel 6. Donc, je ne sais pas trop comment c'est fait. Alors ici, je suis tout en haut de la maison avec une montre Wi-Fi qui capte ce que capte une montre Wi-Fi. Elle n'a pas une antenne de malade, donc je suis déjà content de capter plusieurs réseaux. Alors là, c'est intéressant, c'est que je peux créer mon propre réseau. On va voir s'il apparaît. Ne bougez pas. Comme ça, on sera fixé. Je vais prendre mon partage de connexion sur mon smartphone, ce qui me permet de créer des points d'accès Wi-Fi sans passer par le PC, parce que là, c'est un peu galère. Donc on va faire partage de connexion. Vous savez, le partage de connexion Wi-Fi, je vais partager une connexion Internet en passant par le point Wi-Fi. Voilà, je vais configurer son nom, parce que je ne l'ai pas, je vais en profiter pour lui donner un nom sympa. Hop. Vous avez une idée de nom qu'on pourrait faire pour embêter les voisins. Je vais l'appeler Acme. Donc, je vais essayer. On peut en plus paramétrer le chiffrement. Ça serait bien d'avoir des infos sur le chiffrement aussi. Tiens, j'ai pas mentionné, mais ça serait intéressant. Et puis on a des fonctionnalités avancées, notamment qu'on peut utiliser. Comme par exemple, je peux lui demander de se mettre sur un canal particulier. Donc là, le canal 8 par exemple, avec 5 connexions autorisées. Et on est parti. Attention, ça va spawner. Donc là, vous voyez le truc. Je viens d'activer le réseau Wi-Fi. Et vous voyez ici, il a détecté. Pourquoi il y a un E Acme idiot. Je t'ai pas dit mettre Acme. Acme, ça a pas de signification, ça. Bon, j'ai changé le nom du point d'accès, alors on va voir si ça marche, mais à mon avis, c'est pas dit que ça passe. Ah ouais.
sais pas si vous avez vu. Il y a un deuxième capopé ici qui s'appelait comme ça, mais en fait le nom a changé. Alors oui, j'ai mis un majuscule, j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup ça rend mal au niveau de la police. On va mettre un hack normal. Donc, je vais redémarrer le truc, vous voyez un petit peu le changement. Hop, on va redémarrer dans l'autre. Hop, là je suis en train de redémarrer. Voilà, donc on va redémarrer. On a notre Bizbox test d'interface. Et ici, on voit notamment, il y a deux Acme, alors que normalement, il ne devrait y en avoir qu'un parce qu'il n'écoute que sur un seul réseau, mais je pense qu'il y a peut-être deux Mac. Et si on regarde au niveau ici de notre détecteur de signal, on voit que sur le canal 8 ici, donc ça c'est 6, on voit qu'à côté, ici sur le 8, on a un grand pic. En fait, c'est mon smartphone qui est juste à côté. Si je coupe après, du coup, il ne sera plus détecté. Tiens, d'ailleurs, il y a une Bizbox qui a popé. On ne devait pas la capter jusque-là et on vient de la capter. Bon. Par contre, elle apparaît en double et ça, c'est pas cool. Je sais pas pourquoi ils sont en double. Ah, fuck. J'ai un problème là. J'ai des réseaux qui apparaissent en double. Livebox 83 5D, Orange, ça va pas du tout. Acme qui apparaît en double. Je pense que j'ai un bug sur le. Sachant que j'ai même pas mon touch matériel qui apparaît ici. Il est plus détecté. Va falloir qu'on voit un petit peu pourquoi. Bon, l'intérêt ici, c'est en tout cas si je change le nom du point d'accès sur celui-ci, je vais changer. Je vais l'appeler Acme 2 ou Acme 2. Allez, hop. Sans aucun rapport avec le mouvement MeToo, bien sûr. Et j'active le réseau, du coup. C'est censé être le même BSSID, donc la même Mac dans le réseau. Et voilà. Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un AcmeToo qui est apparu ici. Et c'est moi qui l'ai juste changé. Si je le coupe, que je change le nom du réseau, que je mets quelque chose comme. Je sais pas moi. Comme ça, hop, que je l'active. Du coup, vu que c'est le même BCCD, celui-là va changer de nom, là, voilà, Twitch Rocks. C'est vraiment, vraiment super cool. Là, par contre, je sais pas d'où viennent les doublons, il faut que je vois ça. Je dois avoir un bug sur la partie. Je vais mettre un peu de debug au niveau des réseaux, on verra si on a plus d'infos, s'ils font peut-être du 2Go, 4, 5Go, je sais pas. On va voir en fonction. Donc je vais mettre un peu plus de debug, je vais désactiver le debug du scanner, parce que là je vois qu'il m'affiche, il me trouve des réseaux plein de fois. Et je vais regarder en détail dans le debug les canaux sur lesquels ils sont détectés. Parce qu'il se peut que ce soit sur deux canaux à la fois. Un problème c'est là, en gros j'ai demandé de faire que sur un seul canal, donc je suis étonné que de voir que sur deux canaux. Et surtout que le deuxième ici ne soit pas mis à jour. En plus il ne change pas les deux noms absolument. Parce que du coup à mon avis celui-là c'est un artefact qui est dû de à je sais pas quoi. On va voir. Typiquement que ça apparaisse deux fois comme ça, orange, livebox, etc. Ça sent mauvais. C'est plus typiquement un truc qui n'est pas terrible. Bon, en tout cas, on a un scanner qui fonctionne, qui nous affiche les noms. Si jamais quelqu'un s'amuse à changer le nom d'un BSSID, il est aussi mis à jour ici, ce qui est plutôt intéressant. Alors, voyons voir le bug maintenant de pourquoi ça ne marche pas. Donc là, vous voyez, j'ai tout le log du scanner qui me dit j'ai trouvé une debug, j'ai trouvé un touch metralala. Touch metralala que je n'ai pas vu d'ailleurs ici. Donc à mon avis, j'ai certainement encore un bug sur le truc qui va pas. Donc on va voir un petit peu ça par la suite. Donc l'idée c'est rajouter du debug. Enfin, pour l'instant, ça c'est des debugs d'interface utilisateur dans la Xbox qui était resté. Donc on voit notamment qu'on a bien les réseaux orange. Maintenant, il faut voir comment te mettre ça à jour et pourquoi ici on n'a pas la mise à jour. Donc en fait, c'est ce render qui merdouille. Donc on met à jour le nombre de points d'AP ici. Et du coup, je le fais qu'une fois. Donc, pour avoir plus de debug sur le point d'accès, du coup, on va pouvoir faire ici un petit peu de SP debug. Par contre, il faut que j'active le mode debug au niveau ESP. Donc, c'est ici, il faut qu'on fasse un include de esplog.h pour pouvoir faire du log. Non, il est déjà include, mais bon, je préfère le mettre plus en détail. Parce que du coup, j'avais un ESP32 log ici qui mettait l'énumération finie. Alors ça je peux virer du coup, on va mettre comme ça. Moi ce qui m'intéressait c'est justement de savoir quand est-ce que j'ajoute le widget ce qui est dedans quoi. Donc dès qu'on va un API record qui est différent de null, du coup on va mettre ici. Alors, on va rajouter un petit peu de debug avec le tag AP pour %s S minuscule. Je vais mettre le channel en même temps. Il faut que je mette le BSSID aussi, mais le BSSID est plus chiant à afficher par contre.
Et donc on prend un PAP record de ESSID et le PAP record de channel. Alors bien sûr, normalement c'est le BSSID qui fait foi, qui permet d'avoir plus d'infos. Donc je peux essayer de le mettre en place. Attends, on va essayer ça. Pour son 0.2x, 2.0.2x, ça peut être pratique, hein, je vous le dis de suite. Alors 3, 4, 5, 6. Et on va s'éclater ici parce qu'il va falloir lui donner le BSSID octet par octet. BSSID de 0. Et on va lui mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ça devrait être pas mal de debug. Donc 2, 3, 4, 5. Pam. 4. 3. Ah, j'ai oublié le 1. 2. On en fait un plus. On a octet. Alors, on va rendre ça le truc un peu plus lisible. Et là, j'affiche ma chaîne de format. Premier octet du BSSID. Deuxième octet du BSSID. Troisième octet du BSSID. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Hop, on va mettre ça comme ça. Par contre, j'ai fait un. Je vais virer le SSID, là, c'est pas cool. Hop, donc ça, ça va ça comme ça. Ici, on va mettre le SSID. C'est juste pour débugger, savoir si on a vraiment le même point d'accès qui apparaît des fois. Log debug. Ok, on va essayer ça. Donc, on flash. Et on va voir si on a du debug. S'il n'y a pas de debug, il faudra que je force au niveau de la compilation. Mais ça nous rend une petite idée. Donc, on va programmer. Et ici, on a. J'ai pas enlevé le debug du machin, c'est pas cool. Par contre, je vois pas le debug au niveau de ma liste. Wi-Fi scanner, appeliste, Wi-Fi contrôleur. Alors là, du coup. C'est à cause de. C'est à cause de quoi? Je pense qu'il va falloir que je force ici l'affichage. Ouais, je vais faire un diffan ici en local histoire qu'on ait du debug et qu'on désactive après. Du coup, on va faire mettre ça dans le fichier par H. Il faut l'utiliser à ce niveau-là. Ok, donc il faut recompiler et ça va être bien. Donc si les points d'accès apparaissent deux fois dans le scanner, c'est qu'on a un problème. Normalement, le scanner est censé détecter qu'une seule fois chaque point d'accès avec chaque BSSID, donc chaque adresse MAC au niveau Wi-Fi. S'il en détecte deux fois, ça va être problématique. Alors, est-ce que j'ai plus d'infos? J'ai pas vu les data qui m'intéressent en tout cas. Hein. Ok, on va mettre ça ici. Je vais réinclure le truc ici, c'est histoire de voir si ça change. Non, je pensais avoir les infos de debug. Je sais pas s'il met que les infos de. Dans le main, normalement, on doit aussi pouvoir régler le niveau de debug ici, si je me souviens bien. Ah non, regarde, on n'a pas en mode debug. C'était pour ça qu'on a pas d'infos. Ok, donc on va peut-être mettre du info du coup à la place du debug. Hop, sur le scan. Info, on va mettre un log i. Après, truc de log de SP32, je suis pas méga fan. Ça marche bien, hein, sincèrement, mais c'est juste que ça pollue pas mal. Et j'ai du mal à voir comment il gère de manière globale le log level. Parce que là, je l'ai mis en local. Enfin, certainement, j'ai fait de la merdouille avec ces niveaux-là qui sont configurés. Mais bon, on verra bien. Alors, est-ce que c'est un peu mieux au niveau du debug? Ah oui, effectivement, c'est un petit peu mieux. Je vais stopper juste le debug. Voilà. Donc là, on a plusieurs. Donc là on a l'AP list update under qui est trigger et on voit notamment qu'on a la liste des AP. Donc c'est bien le même BSSID, le même canal. Au niveau de ma liste du coup, on a des fois. Par contre on a. C'est super bizarre parce que du coup le touch matériel a disparu.
Par contre, j'étais censé avoir orange. Livebook 83 5D. Orange, orange. Ah, punaise, je veux savoir pourquoi ils apparaissent en double. Je vois comment le. Ok, j'ai une petite idée de ce qui se passe. Donc on voit bien en tout cas qu'on a des AP qui apparaissent deux fois au niveau de la liste. Et ça c'est pas cool, parce que ça veut dire que ça marche pas comme prévu. Donc il bah, faut que je revoie le scanner et sa, la gestion de sa liste. Parce que normalement on devrait avoir qu'une seule fois ces AP là. Celui-là il doit apparaître qu'une seule fois. Et puis on voit ici qu'on a deux Macs qui sont assez proches avec Livebox et Orange. Je regarde s'il n'y a pas des variations que j'aurais pas vues dans l'histoire, mais normalement c'est bien ça. Ouais, donc là, typiquement, on ne devrait pas avoir ces AP là. Donc il y a un problème dans le scanner Wi-Fi, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est une bonne chose. Ce qui est quand même pas mal, donc c'est que dans la gestion de la liste, on a des soucis. Alors, Wi-Fi AP list, alloc item, est-ce que j'ai un free item ou un remove item? Et name first, ok, donc quand on fait un Wi-Fi AP list, unit, Wi-Fi AP list add, c'est là que ça m'intéresse. Donc ce qu'il fait, c'est que list is empty, allocating item, saving item to list, sans devoir l'information notamment quand il fait le scan. Donc il met, voilà, Wi-Fi controller, il trouve un point d'accès orange, donc il ajoute ici le point d'accès orange, et on voit qu'en fait on est trigger sur le point d'accès orange. Il nous dit, dans le Wi-Fi scan, on est directement appelé en fait. On est appelé dès qu'il y a un nouvel élément qui apparaît, alors qu'il faudrait être appelé au moment où la liste est passé. Et là, donc, au début, il trouve orange, donc on a une liste avec le réseau orange. Ensuite, il est rappelé avec une liste, mais en fait, le réseau orange, il arrive ici. Je sais pas si vous voyez, il passe en troisième élément. Ensuite, ici, on détecte deux fois le réseau orange, alors que là, il y a un truc qui va pas ici. En fait, le D0, il devrait rester dans la liste, et il disparaît, il est changé par autre truc. Et ça, c'est clairement pas bon. Bonsoir, je fais quoi? Eh bien écoute, Roman CSGO, je fais un scanner Wi-Fi sur une montre comme celle-ci. Juste que pour l'instant le scanner merdouille un peu, mais bon. En tout cas il affiche des réseaux qui existent, c'est déjà une bonne chose. Ça permet de scanner pour l'instant les réseaux. L'idée c'est par la suite de faire de pouvoir tester des réseaux Wi-Fi, la sécurité des réseaux Wi-Fi, ou de pouvoir scanner des réseaux Wi-Fi avec une montre qui est tout à fait portable. Et d'avoir sur ce petit écran, il y a tous les noms des réseaux qui s'affichent. Alors on est loin du rendu final, hein, mais en tout cas, au niveau fonctionnalité, ça commence à prendre forme. Donc là, je suis en train d'essayer de débugger les petits problèmes que j'ai avec, et puis on va essayer d'améliorer tout ça. Ça devrait passer. Et merci pour le follow, Mixaito. Alors, bon, on a un problème ici, on a juste des listes. Parce que du coup, on a des infos normalement à la fin quand il a fini le scan. Il est censé nous dire. Je vais faire juste un moniteur. Il est censé nous afficher. Ok, c'est pas ouf. En gros, il y a deux événements qui sont gérés. On a le. Dans le wifi.h, pardon. On a l'événement qui nous dit que. La playlist a été mise à jour et le scan est fait. Donc le scan done, normalement il est fait quand tout est terminé au niveau scanner. Normalement, si je regarde ici, un nouveau événement, mais il n'est pas trigger. Donc le scanner Wi-Fi, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un scan Wi-Fi, le scanner task. Voilà. Donc là, on a le Wi-Fi scan qui démarre, il récupère les AP, il dit voilà, j'ai trouvé un AP qui s'appelle avec SSID. Donc en fait, ça c'est les AP info, et il demande à la liste de prendre en compte ces informations-là. Donc la liste, qu'est-ce qu'elle fait quand elle prend en compte cette information-là? On appelle ici le add, on a un Wi-Fi AP record T, qui est le type utilisé. Bien bonsoir, on l'a à toi aussi. Et donc en fonction de ça, donc si la liste est vide, on alloue la mémoire pour l'item, et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on sauve des informations sur cet item. Donc en fait on a pi item, on fait un alloc item avec l'AP qui est passé. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien quand on fait le alloc item, on vient allouer la mémoire pour stocker l'information sur l'item. On copie son BSSID, on copie son nom, on stocke dans une structure qui est propre ici, qui fait un certain nombre de caractères maximum. D'ailleurs c'est. On stocke son RSSI, et puis ses informations en fait typiquement, donc le niveau de chiffrement qu'elle a, etc. On lui donne pas d'éléments suivants. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on stocke ça et on dit ben voilà, mon premier élément c'est ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe quand la liste n'est pas nulle? Et du coup,
On parcourt la liste, on va jusqu'au dernier élément de la liste. Et surtout, on va essayer d'éviter les doublons. Donc, on compare l'item, enfin le BSSID de notre item avec l'APBSSID. Donc, si c'est le même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est censé mettre à jour les informations. Donc, on copie le SSID, on met à jour le RSSI, le channel, l'outmode, le password cipher, enfin le pairwise cipher et le group cipher, et ensuite on exit. Et sinon, on passe à l'item suivant. Et si on a parcouru toute la liste et qu'on n'a pas trouvé l'item, dans ce cas-là, on crée un nouvel élément dans la limite du nombre de points d'accès que l'on peut utiliser. Donc on alloue l'item, et ensuite on vient quoi d'ailleurs, pire encore, c'est p-item. Ah, c'est ça, donc en fait, la p-item, on boucle sur p-item, et donc à la fin, quand on a p-item de PNX qui est nul, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la liste, et bien du coup, ah ben, c'est ça le problème. Il y a là mon souci en fait, c'est pour ça qu'on a des doublons. Et baby, quel idiot. Oui, bah oui. Et baby, mais c'est normal. Parce que du coup, quand il n'y a qu'un seul élément, ça c'est nul. Bon bah voilà, je pense que j'ai trouvé le truc. J'ai un trophée que tu fais de la CAO, d'embarquer, de la proc, ça me couvre sur les autres métiers de dessinateur, je fais de l'Arduino, je suis maintenant en école supérieure d'informatique, passionné de programmation. Bah ouais, carrément. Après, je fais aussi un peu de sécurité, de rétro-ingénierie, tout ça, c'est un peu de tout, on essaye. Plus certaines choses que d'autres, hein, clairement. En tout cas, ça c'est une partie qui m'intéresse, ça me permettra de mettre un petit peu de parler un peu de sécurité, notamment des réseaux Wi-Fi, BLE, des systèmes BLE, en combinant du dev, parce que c'est intéressant à faire. Donc ouais, et il est là le problème, c'est pour ça qu'on a des satanés doublons, c'est à cause de ce bout de code ici, qui du coup est censé faire une itération sur l'ensemble des éléments, sauf qu'il ne check pas le premier. Donc soit je fais du do while plutôt que de m'embêter avec ça, et je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Hop. Donc on va faire un petit boot du while, plutôt qu'un while. Donc ici on récupère le premier élément, on sait qu'il est... alors est-ce qu'il est nul? Bah, va falloir peut-être qu'on fasse un check quand même s'il est nul, hein, ça serait pas mal. Mais normalement le PLIS P first est différent du nul, donc c'est bon. Donc là on récupère le premier élément, on compare le PITM BCCD, et ensuite on passe à l'élément suivant. Et on fait ça tant qu'on n'est pas sur les... Ouais, ça va être pas mal ça. Et du coup, quand j'ai qu'un seul réseau, du coup, ça match. Ok, on va essayer avec cette correction-là, pour voir si ça règle le problème. Boum. Je vois que tu fais la chiffre du réseau Wi-Fi sur les noms connectés, c'est uniquement pour un but d'utilisation, tu construis autre chose. Non, le but, c'est de faire autre chose derrière. Par contre, j'ai pris une point d'avis après le wild, et c'est pas bien. Non, le but, c'est de faire autre chose derrière. L'idée, pour l'instant, c'est juste de faire des outils de monitoring Wi-Fi, pour permettre à des gens de faire des scans, et puis après, bien sûr, on va... potentiellement implémenter des petites attaques, des authentifications, etc. Mais pour ça, il faut pouvoir sélectionner un réseau Wi-Fi. Et j'imaginais mal les gens taper le nom du réseau Wi-Fi avec un pseudo clavier sur la montre. Donc l'idée, c'est de faire un truc vraiment un petit peu trop script kiddie, comme on dit dans le jargon. On va voir... Ouf, par contre, ça plante. Attendez, j'ai des soucis. Ok, ça fait que rebooter. J'ai dû faire de la merde, encore une fois. Wi-Fi APDIS, NIC 112... on a la méthode add et ça pète une belle erreur de... Donc il dit bien qu'il a trouvé le point d'accès tralala. Donc ça c'est typiquement W... Alors, donc là on a la P, le P item, found disap updating data. Alors c'est, si ma mail found disap updating data, mais là... Donc il scan, il a trouvé la P, bbox, list is empty, allocating item, saving item to list. Donc ça c'est bon. Donc il le reporte au niveau du scanner, donc là on voit bien Bbox qui apparaît là. Ensuite il dit qu'il a trouvé la P Bbox machin truc, et il le reporte au niveau du truc ici. Non ça c'est mon Wi-Fi scan en fait, ça c'est j'ai qu'un AP qui est en place, c'est bon. Ensuite il dit qu'il a retrouvé le Bbox, et ensuite il trouve la P Touch My Tralala, et là c'est la cata. Ça plante à Wi-Fi API Link 114, c'est-à-dire ici. PITEM égale PNEXT. Ah oui, oui, oui. Et donc en fait c'est parce que j'ai fait de la merde. Il faut faire un void PITEM différent de null. Ok, bon ça c'est réglé. Donc ouais, Xavo, le but c'est de fournir justement des petits attaques, mais un truc facile à utiliser. Et surtout avec une interface utilisateur qui est adaptée à la montre. Parce que tout ce que j'ai trouvé en UI qui existait jusque là, c'était pas du tout folichon, et je trouvais pas ça pratique. Moi ce que je veux c'est en gros t'as ta montre, tu prends, tu swipes de. Avec ce qui va bien, et puis voilà quoi, ça, tu fais tes attaques vraiment de base. Mais j'ai encore un bug, fuck. Cette fois-ci, ça plante à quel endroit?
123 du coup, 123, PLTM, Galufi, Openlist. On n'a plus encore un PLTM. Oui, PLTM, ah oui, donc c'est ça en fait. Ah, ça c'est pas terrible. Du coup, vu que j'ai changé la liste, j'arrive sur un PLTM qui est nul et du coup ça pète. Bah oui, forcément. Et oui, forcément. Ah, je crois que je vais pas avoir le choix de passer par un traitement particulier si on a qu'un. Ça me plaît pas. Alors, quand PATM de PNX est différent, on dit tant que PATM de PNX est différent de nul. PATM de PNX est différent de nul. Alors, pourquoi je pourrais passer au... Ouais, non, c'est galère. Bon, il va falloir revoir la structure du code. On récupère le premier élément. Ensuite, je check voir si je connais cet élément-là. Je passe au suivant. Alors, comment je vais m'en sortir moi, dans mon truc? Là, j'ai un problème de structure de code. J'arrive à trouver le bon algo qui permet de passer, de conserver une référence sur le dernier item sans avoir à passer au suivant. Sinon, on va faire du break. Tant pis. C'est un petit peu plus sale, mais ça marche. Alors, du coup, on va faire un tant que P item est différent de nul. Comme ça, on est obligé. On passe à l'item suivant. Donc là, on fait un if même copy, etc. Sinon, donc on passe. Donc ici, si on est sur PATM de PNext qui est égal à null, dans ce cas-là on break. Donc c'est le cas où du coup on n'a pas d'élément suivant, sinon on passe à l'item suivant. Donc en gros, soit il est connu, dans ce cas-là c'est return direct parce qu'on en a mis à jour, soit on le connaît pas, enfin on l'a pas trouvé du moins. Et on sait que l'item PNX il est nul, donc on est sur le dernier item. Donc on est en train de checker le dernier item. Dans ce cas-là, on break, on sort du while et on passe à la suite. Soit on n'est pas sur le dernier, et dans ce cas-là, on passe à l'item suivant. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. On va essayer. Boum. Pop, pop. Un petit peu à voir à côté. Donc, ça cheat. Bon, non, c'est plus censé cracher. Et voyons voir. Alors, j'ai deux réseaux Orange, mais ils ont des Macs différentes. Bon, il y a 2-3 trucs qui merdouillent encore, mais c'est pas... c'est déjà mieux. Donc là, le problème, c'est que sur mon point dans ma liste, j'ai plus que 3 points d'accès qui apparaissent, alors que je suis censé en avoir plus. Mais en tout cas, si vous regardez ici, dans le Wi-Fi scan, donc du coup, ça c'est mon scanner, on a notamment donc deux canaux qui sont utilisés, le 1 et 6, et il y a bien deux réseaux Orange qui ont deux Macs différentes. Donc ça, c'est deux réseaux Orange avec des Macs différentes, c'est bien, ils apparaissent déjà sur mon... Ah non, je ne l'ai pas, attendez, pardon. Donc ici, j'ai deux réseaux Orange avec deux Macs différentes, donc ça, c'est cool. J'ai une Livebox 83.5D qui marche ici. En fait, j'ai que ça qui s'affiche ici, j'ai que ces trois-là. Les deux qui sont ici ne s'affichent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir ça. Déjà, il n'y a plus de doublons. Et c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va pouvoir régler le problème d'affichage ici. Pourquoi il prend... pourquoi il me scanne 6 points d'accès et il m'en affiche que 3. Du coup... scan ADT, donc là, voilà. C'est ça.
Voilà, je suis en train de... Je me prends les mains dans le micro, ça va pas du tout. Donc on a bien le point d'accès, donc en fait c'est juste que ici on décrète que voilà quoi. Il nous affiche que les trois derniers points d'accès parce qu'on en a trois dans le truc. Donc dès qu'on est à 4, 5, 6, du coup ils sont censés être ajoutés. Le problème c'est qu'ils ne sont pas ajoutés parce qu'ils correspondent déjà à des points d'accès. Alors là c'est list NB apps. Ah yes, ok. Donc c'était ça en fait. Ok, on va essayer avec celui-là. Bon, ça va pas régler tous les problèmes et déjà ça permettra d'avoir le texte au bon endroit, ce qui n'était pas le cas. Il mettait pas le bon texte au bon endroit, du coup ça peut expliquer pourquoi on n'avait pas de texte sur les autres. Et dans ce cas-là, il n'y avait qu'un décalage de 1, donc ça n'explique pas tout. Alors, je vais regarder si ça donne un peu mieux. Ok. Donc j'ai le truc qui s'affiche, je vais stopper ici. Donc là on est censé avoir 4 points d'accès à un truc qui s'appelle Livebox 335D et ensuite Orange, Tashmatralala, Orange. Et si vous regardez ici, il m'en manque le premier à chaque fois. Le premier pas. Il est absent. Il est ajouté ou il change, je sais pas. Donc je vais avoir un bug sur l'index. Je vais refaire un test. On va redémarrer je vais reprogrammer et redémarrer la montre. Là je suis en train de refaire la prog. Et on va regarder si on a encore un décalage dans l'ordre dans lequel ils sont trouvés. Et je pense qu'on a une piste. Et je crois que j'ai trouvé le bug. Je l'ai. Donc ici, si on regarde là, on a 3 points d'accès alors qu'on est censé en avoir 4. J'ai trouvé le bug. Alors, ici j'en ai 4 et donc il manque encore le premier. Parce qu'ici, normalement, j'ai Touch Material, Livebox et Orange. Si on regarde ici. Livebox, Orange, il manque le premier Orange. Donc je sais d'où ça vient, je viens de le voir. Donc ici, en fait, le problème, c'est que le list NB apps, il est laissé à 0 quand on arrive ici, alors qu'il devrait être incrémenté juste avant. Pourquoi? Parce qu'on a un point d'accès qui a été détecté. Donc ici. Et donc du coup, quand on n'a aucun point d'accès, on en a un de plus, et c'est pour ça que le premier saute, et ensuite on met à jour. Donc ce qui fait que du coup, là, je suis obligé de mettre moins 1. Et moins 1 pour l'index. Et dans ce cas-là, ça devrait régler le problème. Bon, c'est du bug. C'est 0 de la liste, ouais. Carrément, Manu. C'est le 0 qui sautait parce que du coup, j'incrémentais pas le compteur de points d'accès détectés. Et du coup, le 0, il rentrait pas dans l'ajout du label parce qu'il disait, bon, on s'en fout, il n'y a pas de point d'accès. Donc, j'ai fait la petite modification ici en incrémentant à ce niveau-là au lieu d'incrémenter après. Et du coup, ça règle le problème. Normal. On va voir. Donc là, j'ai bien les réseaux détectés. On va checker sur la montre si c'est un peu mieux. Ah, ben voilà. Donc là, j'ai mes deux réseaux orange, le Livebox, le Touchmatralala et Bbox qui est à côté. Si on regarde par rapport à ce qu'on a ici, orange, Livebox, Touchmatralala, Bbox, c'est exactement ce qu'on a détecté ici. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, le scanner est fiable. En tout cas, on l'a testé. Et donc là, je peux naviguer dans l'ensemble des réseaux qui sont détectés. Après, il faut que je vois pour l'affichage. Il y a encore le M majuscule qui merdouille. C'est la fonte qui est pourrie. Il faudra que je vois si je peux remplacer le symbole M par un truc qui tient la route. Parce que la fonte est pas terrible à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu un problème dans la déclaration de la fonte. On verra. Le W, c'est pareil. Il rend pas bien du tout. J'aime pas trop l'allure en tout cas de ce truc-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, on a un scanner qui affiche dans une liste box les réseaux. Il nous affiche donc les réseaux, mais vous voyez qu'on a bon des réseaux, il y en a certains qui dépassent un peu, ou qui sont tout juste ici, en taille. Donc ce qui serait intéressant, c'est pour cela par exemple, c'est surtout si je mets des icônes à côté, de tronquer le nom et de faire un système de rotation comme ça, où ça défile potentiellement, enfin un petit peu la Winamp, pour ceux qui connaissent. De faire en sorte que le nom soit, et pas trois petits points, mais les files comme ça, et soit animé. Au niveau de ce truc-là. Donc après on va jouer sur le texte, hein, typiquement. On va juste faire une animation au niveau du texte qui va s'afficher dès c'est d'avoir un truc qui s'affiche après correctement. Quoi. Donc, ou alors on le fera avec un conteneur, un widget conteneur dans un widget conteneur dans un widget conteneur, c'est sympa. Ça s'affiche de manière très particulière les conteneurs. Mais bon, non mais ça devrait marcher je pense au niveau de l'affichage, on testera.
Mais bon, ouais. Le nom des réseaux, en tout cas, apparaît bien. J'ai la liste box qui scroll. On commence à avoir un début de solution, en tout cas. Bon, quand j'appuie, c'est pas sélectionné pour l'instant, mais ça viendra après, parce que la liste box va gérer les tapes aussi dessus. Donc, dès qu'on te fera un tap sur un élément, ça mettra en surveillance. Donc ça, c'est cool. Et merci pour le follow, Kawet. Donc, voilà, on a pas mal avancé. Donc j'ai le contrôle là, j'ai le scan, j'ai mon truc qui marche. Du coup, maintenant, la grande question, c'est comment on va pouvoir afficher les widgets, les lignes, en fait. Alors là, pour l'instant, comme vous avez pu voir, j'ai alloué de manière statique l'ensemble des éléments, mais je pense qu'on va faire un truc dynamique, avec une limite du nombre de points d'accès qui sera affiché. Et dans le scanner, il faudra aussi faire un système de freshness, c'est-à-dire au bout de X scans, si on n'a pas vu un point d'accès, qu'on le vire de la liste. Ce qui nous permettrait ici de le mettre à jour. On pourrait faire un événement dans lequel on dit, bon, on l'a perdu, on notifie tous les trucs qui géraient des points d'accès, qu'on a perdu, qu'on a un point d'accès qui est parti. C'est bon, donc on va pouvoir gérer ça. Ok, donc là bon ça marchouille pas trop mal, donc on va faire un petit peu de dessin maintenant. Mon super artwork. Du coup, la grande question maintenant c'est... alors on peut peut-être régler les couleurs déjà, ça c'est un truc qui peut se faire sans trop problème. Gérer les couleurs au niveau des puissances des réseaux, à partir du niveau de RSSI qui est mesuré. Mais bon, on va essayer déjà de faire un petit diagramme de ce qui pourrait être intéressant d'avoir sur l'affichage de ces points d'accès. Donc déjà les infos qu'on veut avoir visuellement à l'écran. Il m'a fait de la merde, dis donc. Ok, c'est bon. Alors, les infos que je souhaite, c'est lesquelles? Bah déjà, ce qu'on appelle le SSID. C'est-à-dire ici... le nom du réseau. Ça, c'est le nom du réseau. Qu'est-ce qu'on veut encore sur le truc? Donc, le channel, limite, on s'en fout. Ça, c'est vraiment anecdotique. Mais on peut très bien imaginer un ESSID qui est affiché comme ça à l'écran, avec potentiellement en petit dessous le BSSID. Donc, ça, c'est la Mac, hein, si vous préférez. On peut très bien avoir la Mac qui est affichée ici. Alors ça du coup c'est une taille fixe, on sait que ça tient facilement, c'est 6 octets en fait, c'est avec des séparateurs, ça fait 6 octets plus 5 caractères de points, autrement dit ça fait 11 caractères. Donc ça c'est tout à fait gérable à l'écran, on est sur du... En plus on prend une police plus petite et ça marchera bien. Sachant que là, la police qui est affichée c'est la taille x2, la plus petite elle reste lisible, faut s'arracher un peu des yeux dessus mais ça passe. Donc on pourrait avoir un genre de truc comme ça, hein, c'est-à-dire un item avec SSID, BSSID, potentiellement ici le channel si on veut, et mettre un fond coloré si on veut, hein, avec un petit arrondi. On pourrait très bien envisager d'avoir un léger arrondi ici, un léger arrondi là, une petite couleur grisâtre par exemple, ou selon la qualité du réseau, appliquer un code couleur. On pourrait très bien avoir ça par exemple en vert, ce fond là. Toute cette partie-là, si jamais on est sur un réseau qui est bien ou un autre réseau, enfin, je sais pas ce qu'il vaut. Alors le gros problème qu'on va avoir, c'est pour les SSID qui sont longs. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on a toute la ligne à disposition pour le nom du SSID, donc ça permet vraiment de déborder sur tout ça. Et si jamais ça dépasse, donc imaginons que ça dépasse ici, moi ce que je peux faire, c'est un truc qui anime avec un va-et-vient. Donc en fait, on a le point d'accès qui s'affiche, on part d'ici, on décale jusqu'à afficher le dernier caractère à ce niveau-là. Et quand c'est le cas, on vient au début et ça défile et on reste une à deux secondes comme ça et on fait la fonte en couleur. Ouais. Donc la couleur de fond, je pense, que ça va être un peu déroutant, mais la fonte en couleur ou ça avec la couleur, ça serait peut-être mieux. Ouais. Donc en fait, nous, ce qu'on va devoir stocker, c'est ESSID, BSSID. Donc ça, c'est les outils, les données qu'on aura besoin pour attaquer. Et puis il va nous falloir potentiellement du channel. Alors ça, franchement, on s'en fout parce que ça, c'est dans notre ce qu'on appelle ici l'AP list, la liste des AP que l'on maintient. Donc si on a ce scanner qui est actif, l'AP list, c'est celle que l'on passe. Donc nous, ce qu'on va devoir garder, c'est associer un widget, c'est-à-dire ce truc-là. Là. Ça, c'est notre widget, celui qu'on va développer. Je vais le développer avec vous allez voir comment ça se développe.
on va associer un widget avec un BSSID. Parce qu'un réseau Wi-Fi, il n'est pas identifié par son nom, mais il est identifié par son BSSID, son adresse MAC. Si jamais on a la MAC qui disparaît, on peut faire disparaître le widget. Si on a le nom qui change, on ne peut pas faire disparaître le widget. On changera le nom du widget, le nom changera. Sachant qu'ici, ils ne seront pas triés pour l'instant, tout simplement parce que c'est plus facile. Ça évite des permutations au niveau de la liste et pour taper dessus, ça va être plus facile. Ils vont bien sûr disparaître si jamais ils disparaissent au niveau réseau. Enfin, si on ne les capte plus. Donc, au niveau des RSSID, je ne sais plus ce qu'on a comme data. Attendez, je vais reprendre 2-3 logs qu'on avait ici. Est-ce que j'ai mis le RSSID là-dedans? C'est pas sûr. Je vais afficher dans le log du RSSID en plus, comme ça on se fera une idée à peu près de la valeur, enfin de la plage de valeur, et on va pouvoir déterminer ce qu'on aura comme range pour afficher ça avec des différentes couleurs, avec trois couleurs en particulier. Ce qu'on va faire, c'est que du coup dans le Wi-Fi scan, on avait un truc qui nous affichait la liste. Voilà, bon, je vais rajouter ici, au lieu de mettre le channel, je vais mettre le RSSID. Hop. Et puis on va faire ça. C'est parti. Bon, là, je reprogramme juste histoire de faire un scan avec le RSSI. On aura donc dans le RSSI, c'est un niveau d'indicateur du niveau de signal qui est retourné par le scanner Wi-Fi et que l'on pourra ensuite utiliser pour afficher la couleur. Bon, là, je vais implémenter le système de couleurs pour l'instant dans les labels et puis on va mettre ensuite, on va designer le widget et on verra. Donc là, voyez, on tombe sur des RSSI qui sont un peu. Voilà. Donc habituellement au niveau des niveaux de signaux, je vais faire un flash monitor, je vais créer un point d'accès tout près, donc puis on verra les différences de niveau de signaux. Mais typiquement, quand c'est tout près, on est aux alentours de moins 40, moins 30 maximum, et dès qu'on est loin, dès qu'on est en dessous de 90. Ben, dès qu'on est en moins 90 et moins, on est sur des signaux qui sont relativement faibles. Donc ici, vous voyez, mon réseau ici à la maison, je suis à moins 72. Moins 80, moins 72, c'est correct hein, en termes de qualité. Moins 40, c'est très très bon. Et donc, je vais faire popper un point d'accès. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous regardiez ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que du coup, maintenant, je peux changer les noms des points d'accès. Et avec la MAC, ça devrait marcher. On va donc voir. Donc, je reprends mon Twitch Rocks, par exemple. Boum, je crée ce point d'accès. Il devrait apparaître assez rapidement ici. Voilà, boum, il est apparu. Et le RSSI, il est à moins 40. Si je me mets tout près ici... Là, je suis à peu près à moins 22, donc je suis vraiment tout près. Là, je suis à moins 40 quand je suis à peu près à cette distance. Et bien sûr, plus je m'éloigne, et plus ça va diminuer. Ici, je suis à moins 50. Enfin, voilà, donc ça donne... Ouais, c'est rapide. Bah, attends, le truc qui est plus marrant, c'est si je change le nom du réseau. Regarde. Je désactive le réseau, mais il va pas être retiré parce que j'ai pas détecté pour l'instant la suppression des réseaux. Je vais passer par Wi-Fi, changer le point d'accès Wi-Fi. On va changer le nom, par exemple. Tiens, là, je vais mettre... un point d'accès, hop, tac, ensuite je l'active, il va changer, vu qu'il va avoir le même Mac, il va changer directement ici, et là, oh, Manu 07000 qui passe, attention, j'ai le code dans les BSSID, non, il n'y a aucun risque, là. Franchement, ça va pas de... oui, mais effectivement, ça peut se produire, mais là, typiquement, c'est le même point d'accès, et en fait, vu qu'ils sont identifiés par BSSID, il a vu que le point d'accès a changé le nom, et il t'affiche le nom directement. Après, on peut mettre des noms des autres personnes, hein, si vous voulez, ça marche pareil, franchement, il n'y a pas de problème. Là, si je veux mettre un... Allez, on va prendre... un truc qui dépasse, histoire de... Tiens, ça pourrait être pas mal de tester. Boum. Du coup, là, je l'active. Voilà, donc là on avait Manu, et boum, ça vient Winter le bâtard. Si je change de point d'accès, je vais mettre un nom un peu plus long, histoire de voir si ça... avec des points par exemple, histoire de le faire dépasser un petit peu. Alors, de toute façon, là j'ai atteint le nombre de caractères maximum. Hop, on active. Donc là forcément, ça va déborder un petit peu. Mais on va pas pouvoir dessiner au-delà. Et donc du coup, ça va, dans la liste, ça va vraiment... on va pas voir grand-chose, peut-être un point qui va apparaître, voilà. Et, tout. Et donc là ça déborde en fait, ça va beaucoup plus loin, mais c'est pas catastrophique parce que du coup ça marche. Et on stop. Voilà. Puis mettre des insanités dans les noms de points d'accès Wi-Fi, c'est pas top. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir régler le niveau de signal. Hein. Donc ici on voit qu'on a un moins 30. Donc moi personnellement je pense qu'on va mettre cette plage là.
je considère que un réseau Wi-Fi qui est entre, allez, de moins 80 jusqu'à moins 60, on va dire que c'est moyen. Parce que on capte pas plus que ça. Tout ce qui est en dessous, si c'est inférieur à moins 90, c'est faible. Et supérieur à moins 60, on va dire que c'est good. Donc ici, on va le mettre en rouge, en orange et en vert. Et on va jouer là-dessus. Donc je vais sélectionner les couleurs. Même si c'est des couleurs assez criardes, je pense, on pourra peut-être adapter après en fonction. Parce que rouge, orange, vert, du coup. Le orange, par contre, je sais pas comment je vais le faire. Attendez, on va prendre un petit peu de... Une petite palette avec un guide, par exemple. Histoire de le détecter. Parce qu'en fait, je suis en mode... Voilà, attendez, on va faire une nouvelle image. Peu importe, c'est bon. Ensuite, dans l'image, précision. Il me faut des entiers 12 bits. Ça va être un petit peu limité, mais... En Kami 96 couleurs. Un profil de couleur, je sais même pas si je fais un Kami 96 couleur là-dessus. On va rigoler. Bon, sinon, on va être un RVB, puis je décalerai, hein, c'est pas grave. Hop. Donc, ici, on va dire un orange. Un orange, tiens, ça c'est pas mal comme orange. Le code c'est EE6B03. Bon, on va prendre ça, c'est parfait. On va se prendre un petit shell ici. Hop. EE6B03. B égale ça, et C est égal à ça. Voilà, moi je récupère mes trois. C'est du RGB. R, hop. Quintessence littérale. Comment ça? J'ai fait quoi là? R égale ZE. Ah oui, c'est parce que j'ai fait de l'air en fait. RGB. Tac et tac. Ok. Donc R vaut 238, le problème c'est que si vous regardez un petit peu, là c'est stocké sur 8 bits, si je veux stocker c'est stocké sur 8 bits, moi il faut que je passe sur 4, il faut que je décale de 4 bits. Dans l'autre sens c'est mieux. Donc 14, ensuite on décale de 4, ça fait 0, et le G on décale de 4 et ça nous fait 6, donc 14, 6, 0, ok. Donc on va définir nos couleurs maintenant dans le code. Pour pouvoir gérer notre affichage. Alors du coup là je vais mettre ça dans le fiscal.h. On va définir, là on avait nos trucs, on va définir deux couleurs. Donc on va définir ici wscan RSSI low du coup qui va être moins 90. Ensuite on va définir la couleur qui va avec. RSSI low color. On va prendre RGB, je disais 16. On avait dit quoi 16 en 14 en 14 6 0. Ok, on va faire ça, 14 6 0. Hop, et ensuite on va définir pour le médium et le bon. Donc médium, on va prendre le médium color et ensuite good et good color. Alors du coup, ça c'était pour médium d'ailleurs, c'était pas pour le truc. Alors le rouge, du coup, on peut prendre un rouge qui est assez criard, tant pis. On va faire ici 0xf, enfin c'est 15 ici, 00, et le vert. Alors le vert, j'aurais bien mis un truc plutôt qu'un vert tout pétant et vraiment sale. Si on pouvait mettre un vert un peu foncé, ça serait pas mal, un truc comme ça, je pense. 1E79, donc 0x1E du cahier de 4, ça fait donc 1. Ok. Et ensuite, 79 du cahier de 4, ça nous fait 7. Donc, et ensuite 0, donc 1, 7, 0. Alors ça sera pas parfait en termes de 1, 7, 0. C'est histoire d'avoir un verre un petit peu différent. Ok, donc maintenant j'ai mes seuils. C'est le médium, l'orange. Oui, merci. C'est ce que j'avais corrigé. Attention, fait de code. Non, toujours pas. Donc ça, c'est mes couleurs et mes résolutions. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer la couleur. Alors par contre, dans le label, pour l'instant, je peux pas paramétrer la couleur du texte. Ça, c'est pas cool. Du coup, on va modifier ça. Pour l'instant, en fait, le texte, il est affiché d'une couleur qui est fixe.
On est sur la couleur du label. Donc maintenant, il faut que je vois si je peux mettre le style. Alors, c'était un truc que j'avais prévu de faire plus tard, mais du coup, ça peut être intéressant de le faire maintenant, du coup, tant qu'à faire. On va le gérer au niveau du widget directement, parce que ça, les widgets, c'est un peu le truc de base, en fait. Dans un widget, on s'attend à pouvoir changer la couleur du front, du back, des bordures, principalement. C'est trois couleurs qu'on gère souvent dans les styles, donc je vais ajouter un système de style. Donc on va sur un nouveau fichier, styles.h, style.h du coup, et puis on va faire en sorte de pouvoir configurer les styles et de paramétrer un style par défaut, du coup, dans les widgets. Donc ça sera le widget style h. Du coup, parce que là pour l'instant, j'avais pas prévu de faire les couleurs, j'ai totalement zappé. Donc on va s'attaquer là-bas. Alors, je convertirai les autres après. Et tant qu'à faire cette implémentation-là, autant que ça soit valable pour tous les contrôles. Qu'on puisse changer la couleur du texte dans le contrôle, qu'on puisse changer la couleur des bordures, la couleur du fond. Ou la couleur du front, enfin ouais. Le texte ou le front, enfin après, peu importe comment on l'appelle. Donc ici, on va faire un type def, on va définir une nouvelle structure qui sera la structure d'un style. On appellera widget style t, et donc dedans on va, du coup on va faire un peu quand même UV.h, sinon on va être un peu dans la mouise, notamment pour les couleurs, sachant que les couleurs normalement sont définies dans le screen, et donc dès qu'on a que le driver, on a des couleurs, c'est parfait. Du coup notre style.h, on va ici lui mettre une couleur, donc la couleur c'est un unité 16 qui est utilisé pour la couleur. Il n'y a pas de type particulier. Donc on va préciser ici la couleur, donc la background. On va appeler BG color. Pour la background color. Ensuite on a une couleur pour la bordure. Une border color. On peut mettre border, je sais pas. Background, border, qu'est-ce qu'on peut avoir ici, et puis front. Alors front, c'est généralement ce qu'on a avec le texte. Donc le front, c'est tout ce qui est affiché en premier plan, et ensuite le background. Ok, bon, ça devrait marcher, je pense, là-dessus. Et donc après, à partir de ce style, eh bien, on va le définir dans le widget et on va pouvoir le configurer avec des primitives, et ça devrait être good. Donc dans mon widget pour l'instant, j'ai une widget box, position offset, ça c'est un truc qui a viré d'ailleurs, c'est totalement supprimé. Donc j'ai un widget box, le parent tile, et puis là du coup on va ajouter le style. Hop, et donc on va faire référence ici à UI.h, et on va inclure en plus notre style.h, ce qui permettra de faire ça. Et donc, du coup, dans le widget, on va pouvoir utiliser ce style, et on va appeler ça le widget style t style. Donc là, typiquement, le style, et donc dans la routine d'init du widget, on va mettre des couleurs par défaut, des widgets et des styles par défaut. Donc le style par défaut, on va en avoir un extra inclus dans style.h, et qui va nous déterminer si le défaut. Donc là, on va mettre style background bg. Donc là typiquement ça sera RGB 000, donc un fond noir par définition. Ensuite style border default, c'est blanc, c'est 0xf, 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 et ensuite on va définir le style qui sera le style front default qui est blanc aussi. Ok, on va donner tout ça. Et puis on devrait être pas mal. Ok. Et donc dans le widget init, donc là on a notre style. Et quand on va appeler notre widget .c, donc un widget init, on va donc paramétrer les propriétés. On lui parle de PNX, etc. Et ensuite ici on va lui dire coucou, tant pis widget. De style.background est égal à style bg default et widget de style.border est égal à style.
cible, border default, épée, jet, de style, point front, est égal à style, front default. Ok, donc là ça veut dire qu'en fait sur un widget maintenant on peut faire des primitives en plus, on peut lui demander de paramétrer un style en particulier. Donc ce qu'on va lui faire ici, c'est qu'on va faire, dans widget.h, pardon. On va lui demander ici de. Ça c'est pour les numérations du widget. 5D20, 7 user data, draw. On va rajouter ici une fonction qui va s'appeler widget set style. Et on va lui passer donc, le pointeur sur le widget et puis les couleurs à utiliser. Et du coup, ça va automatiquement paramétrer tout ça et on va pouvoir répercuter notamment la couleur du texte sur notre truc. Donc on va passer le style de background, on va passer de on peut même passer une structure de style, au pire c'est plus simple. Widget style T avec un pointeur sur les styles, ce qui permettra notamment d'avoir une seule structure qui soit de style. Et on va implémenter ça avec un widget pensé hop ici. Donc on va rajouter la faut que je documente un peu mieux ça donc. Les drawings primitives, getAbsBox, draw, c'est user data, oui, ça serait par ici. Widget getTile, on va prendre ça ici, et puis je redonnerai ça plus tard. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pwidget de style. On va faire un truc comme ça, background, donc il y a la pwidget de background. Comme ça, background, hop. Ensuite on fait ça deux fois, hop, on vient changer ici, hop, tag le border, et on fait la même chose ici, avec le front, et voilà, on a paramétré notre style de widget. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner dans notre scanner, ici, et du coup, en fonction des niveaux de scan, on va pouvoir paramétrer le texte, mais aussi faire un widget label. Par contre, là, ça fait... du coup, il fallait voir ce que je paramétrais le truc. Attends, je vais rajouter 2-3 primitives en plus dans les widgets, ça sera pas mal pour gérer notamment le. Bon, ça, c'est pour changer tout le style. On va mettre un truc des deux styles. Style management. Alors, c'est style, et puis après, on va faire des primitives vraiment propres à chaque truc. C'est le BG color. Et comme ça on pourra gérer juste la couleur qui va bien sans se prendre la tête. Ah, c'est bon, on n'a plus de son. Ah bon, c'est juste que ça met du temps à venir. Du coup, attendez, je vais prendre un truc. Non, il n'y a pas de bouton help, je suis désolé. Pas de commande help en tout cas, ça viendra plus tard peut-être. Set border color et set text, set front color. On pourrait aussi faire du text color histoire d'avoir un truc un petit peu à part, mais ça on pourrait le remettre après, c'est pas un problème. Tac, ok, on met ça dans le budget de pensée avec des trucs qui vont bien. Et ça va aller assez vite, c'est toujours la même trame pour tous. Tac, tac, hop, hop. Et ensuite on en prend un ici et on répercute avec color. Donc ici c'est le border. Okay. Et ensuite le front. Comme ça m'évite de créer un truc et je peux utiliser ceci. Ok, donc maintenant on peut dans Wi-Fi scan et utiliser ces primitives. Donc on paramètre le texte. Cette couleur, cette texte couleur, du coup, ceci. On va faire ici, donc si le RSSI en question, qui est dans PAP Record, RSSI est inférieur à WSCAN de RSSI low, on va faire un égal d'ailleurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient paramétrer widget label set widget label widget non widget style set merde, je sais plus comment j'appelle une fonction
7 gigas de frappe. Widget, 7 BG color en fait. On s'en fout, il n'y a pas de style. On peut faire ça directement avec cette primitive là. Donc widget, 7 front color. Et on va utiliser le double scan RSSI le color. Ensuite, else if PAP record de RSSI. Donc s'il est strictement inférieur ou égal à WSCAN de RSSI Medium, dans ce cas-là, on fait la même chose, sauf qu'on lui met le Medium Color. Et sinon, du coup, il est bon. Donc là, on va appeler ça avec la Good Color. Et je crois que j'ai fait de la merde en fait. Parce que s'il est inférieur à low, attendez, quand j'ai mis ça, le low c'est moins 90, medium moins 60 du coup, et le good, bah le good en fait on l'a pas parce que du coup on considère que dès que c'est au-dessus c'est bon. Donc ici, donc si on est à moins 90 ou en dessous on est en low, si on est à moins 60 ou en dessous on est en medium, et sinon on est au-dessus. Ok, ah bah, ça s'arrête pas mal. Maintenant il y a juste à prendre en compte le style dans le label. Et donc ici on change ça et on va utiliser donc le PDGET qui est une structure à laquelle on a accès. Et voilà, ça règle le problème sur la drophone du label. Bon, on va vérifier si ça compile. Si ça compile, c'est cool. Alors est-ce que ça build? Ouais, c'était étonnant que ça build du coup. J'ai un widget set front color, il me dit touch your arguments. Ah bah oui, forcément oui. Oui, c'est normal. Si je te passe pas le widget en question, on va avoir des problèmes. Donc c'est celui-ci, clac, on va faire ça comme ça, on va mettre ça ici, ici, et ici, je peux mettre d'espace, voilà, et là ça va marcher, yep, impeccable. Donc maintenant on va avoir vraiment une belle couleur, enfin si je ne me suis pas bourré dans les couleurs, qui va nous afficher le niveau de qualité de signal dans le texte. Et ensuite on va développer nos propres widgets, et ensuite on va faire notre liste, et on devrait avoir un scanner qui est pas mal. Ok, bon, là, je teste juste avant. Ouh, c'est beau. Voilà, donc là vous avez déjà une Livebox qui apparaît à ce niveau-là en rouge, qui est très loin. Les autres sont jaune-orangé. Alors c'est pas oufissime en termes de couleur, je pense qu'il va falloir que j'arrange un petit peu ça. Et si je fais popper mon partage de connexion internet qui est tout près avec, on va changer le nom du point d'accès du coup parce que là c'était pas terrible. Hop, on va l'appeler hack, pas hack me, hack this wifi, non pas wifi, c'est W, merde aussi. J'ai pas de l'inspiration, je suis désolé. Hop, donc le mot de passe c'est bon, on fait popper. Et là, il va apparaître ping dans mon état en vert. Ah. Il est quand même à moins 25. Donc il devrait apparaître en vert. Donc si je me suis bourré dans les couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait 1, 7, 0. C'est le good color. Attends, c'est juste que j'ai mal référencé à tous les coups. Le good color. Cette front color. Non, c'est un good color. Si là. S'il est inférieur ou égal au RSSI medium qui est censé être moins 60. Mais sinon il apparaît en front color good. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il apparaît pas en good? Voilà, j'ai une deuxième bbox là qui est popée et qui est pas. Donc si je ramène la mienne ici, Hello You il apparaît en jaune alors qu'il devrait pas être en jaune. Il est à moins 49 normalement. Donc il est moins 43 même. Donc il devrait être mis à jour. Ouais, je vais voir dans mon code si je me suis pas loupé, mais. Ah ouais non, c'est ça. Il est pas mis à jour du coup. Il manque un S dans mon code. Boum. Donc dans mon code, en fait, je mets pas à jour. Je mets que les nouveaux. Ah attendez, j'ai des bêtises ça se trouve. C'est liste de NB apps. Et supérieur à GWSCAN de NB apps parce que là. Oui, le nom était mis à jour, mais pas la couleur du coup. Donc là, typiquement, on va faire comme ça.
c'est merveilleux. Non, ça devrait marcher, ça. Dans la configuration actuelle. C'est juste que oui, c'est ma faute. En fait, il n'y a pas mise à jour, donc au début, quand il a popé, il a pu être à un niveau qui était un petit peu faible. Et du coup, voilà. Hello World. Oui, Manu, qu'y a-t-il ? C'est ouais, Hello World en non-réseau. Ah oui, j'ai pas tiqué, désolé. Donc là, normalement, si je regarde, hop, on devrait... Alors, j'espère avoir au moins un vert, ça serait cool. Non, Hello You, il est toujours en jaune, malgré le fait qu'il soit à moins 48. Hein. Si il approche vraiment, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Bon, il apparaît bien à moins 18, hein, mais le truc, c'est qu'il n'est pas mis à jour. Alors, c'est que j'ai dû merder encore dans mon code, ici. Donc, PAP record, on boucle dessus. On a, si le list de NBAP est supérieur, bah là, non, il n'est pas supérieur. Donc, on fait un set texte avec le P record APPCCD. Et ensuite, on paramètre le front color sur le label qui est en question. Donc, c'est list NBAP-1. Et on paramètre la couleur qui va bien sur la front color. Et dans le label, lui, ce qu'il prend, c'est bien dans le label limite. Donc là, il prend bien le pwidget, ce qui est de référence sur le pointeur du widget. Hein. Style.front pour faire le draw texte. Je suis en train de demander si le truc prend la couleur au final du texte. Bah oui, normalement, parce que j'ai du rouge et autres, ça devrait marcher quand même. Bref, voyons voir. C'est quand même bizarre cette histoire. Je suis censé avoir un point d'accès qui est tout proche. Alors, je vais redémarrer la montre au pire. Je fais à côté la zone forest, ça marche après. Et c'est bizarre. Parce que normalement, on devrait quand même avoir un SSID qui de base va être très fort et donc il devrait mettre en vert. Alors moi, je me suis loupé dans la conversion des couleurs, c'est aussi possible. Ça se trouve, il est juste orange ou rouge parce que je me suis trompé. Ah bon, ça ne marche pas. Qui passe plus, super. Attends, je vais reprogrammer. Là, j'ai le point d'accès qui est juste à côté, qui est vraiment simulé, mais qui est tout juste à côté. Donc, on devrait être pas trop mal sur. Parce que t'as pas mis de verre dans le code. Oui, mais je pense que c'est ça en fait. Hein. J'ai pas mis de verre. Mais tant que oui, quand même, je l'avais mis, mais bon. Oh merde, il affiche plus rien, studio. C'est bon. Allons l'écran. Attendez. J'ai un problème d'affichage du coup. Fuck. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, j'ai tout changé au niveau des couleurs. Il me pète un câble. Alors là, j'ai tout cassé. Je sais pourquoi. Il n'affiche plus rien. Le truc existe bien. Le scanner affiche bien, etc. Mais au niveau écran. J'ai plus rien qui s'affiche, c'est plutôt problématique. J'espère que j'ai pas cramé l'écran. Pourtant, j'ai changé juste de label, il n'y a pas de raison que ça pète. Donc, je vais vérifier le code en attendant, puis on va voir si je peux la régler. Donc, j'ai pas mis de vert, tu disais. Il me semblait que si, mais bon. Le good, c'est rouge, vert, bleu. Si, le vert il est là. C'est le good color, c'est le medium color, et ici normalement quand je suis censé mettre le good color quand on est dans le LCC. Donc si le p-record est inférieur à low, on met le low color, si c'est inférieur ou égal à le RCC medium, du coup on met le medium color, et sinon on est censé faire le set round color avec le RCC good color. Ah merde, le truc marche plus. Alors là, ça c'est plutôt embêtant. Je vais essayer de redémarrer sur la connexion USB. Merci. Ok, il a fait un truc bizarre. Quand il était connecté en USB, il voulait plus. Il voulait plus afficher le truc. Ok, bon, allez comprendre. Ah bah là il apparaît en vert, ok. Donc là typiquement j'ai bien un truc en vert, vous voyez.
vert, orange, rouge, donc ça, ça marche pas trop mal. Par contre, c'est pas méga lisible, je trouve. Enfin, le vert. Le orange et rouge, ça va. Oh, si, remarqué. Ouais, si, ça se fait. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Au moins, on voit directement les réseaux qui sont bien captés, ceux qui sont pas bien captés. Ouais, si je bouge le mien et que je mets le Hello You à ce niveau-là. J'aimerais bien voir si ça change de couleur, en tout cas. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est juste le changement de couleur qui ne marchait pas. Mais bon, on a un petit scroll qui marche bien et tout. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça fait le job quand même, a priori. Là, il vient de détecter une B-Box qui était tout caché au fin fond de la Pampa. Et qui vient de capter. Donc, non, c'est bien. Ça me fait bien. Après, la Disbox pour l'interface utilisateur et l'interaction que je peux avoir avec cette Disbox, c'est un truc que je gérerai par la suite. Hein. En tout cas, là, dans ma Disbox, j'ai bien tous mes éléments, donc on va pouvoir se concentrer sur l'affichage des items qui correspondent au réseau Wi-Fi capté. Donc ça, c'est cool. Allez, on est parti. Bon, alors voilà, donc la couleur, c'est fait. Donc ça, typiquement, je vais enlever ça. Donc si je reprends un petit peu notre schéma, la couleur, du coup... Où es-tu, tablette graphique ici. La couleur, ça, poum, c'est bon. Au moins pour les labels. Après, on verra pour les autres contrôles. Mais... problème de micro. Ah, ça, c'est problématique. S'il y a un problème de micro. Attendez, je vérifie. Micro. Non, moi, le micro, c'est bon. J'ai le vieux maître qui est bon, qui m'a dit qu'il a bien du son. Après, peut-être au niveau du stream, ça envoie pas, je sais pas. Mieux d'un coup. Ah, peut-être que j'étais plus prêt. Je vais redéclencher. Je parlais moins fort là il y a quelques temps. Ça peut expliquer pourquoi c'était problématique. Peut-être pas du son qui matchait. Je sais pas trop. Donc la couleur, ça, yeah, c'est bon. Ça grésillait. Ah ouais. Pourtant, c'est bizarre. Peut-être ta connexion Wi-Fi qui est pas top. Hein. C'est possible aussi. Donc maintenant l'objectif. Pour l'instant, je vais laisser l'allocation statique. Au lieu d'allouer des labels, je vais allouer d'autres widgets. Et on va implémenter notre widget ici. Et vous allez voir comment on crée un nouveau widget. C'est pas très compliqué. Donc le but de ce widget, ça va être le truc suivant. Là, je peux faire des formes de base. Si je fais un truc comme ça, reconnaissez ça. C'est trop fort. C'est trop cool. Ok, donc bah, je vais utiliser ça pour faire mes dessins, c'est plus pratique. Donc le widget de base, disais-je, voilà comment on va le structurer. Donc on va avoir une zone graphique qui va être un peu comme ceci. Ouais, pas mal. Avec notamment, donc ça c'est, les bords sont pas dessinés, hein, c'est juste pour moi, pour voir à peu près comment c'est fait. Du coup, on va prendre l'objectif ici. Donc ici on va mettre le SSID. Qui va s'afficher donc avec une certaine taille autorisée. Donc, si ça dépasse, pour l'instant ça dépassera. Et en dessous on va mettre de BSSID, idéalement de la même couleur que ça en fait, hein, typiquement. Si on passe la couleur de ce truc là, on mettra la même couleur. Et puis on peut mettre ici des informations en plus. L'idée ici c'est d'avoir des infos en plus. Alors je sais pas. On pourrait mettre potentiellement, si c'est déjà du WPA, du web, ou ce genre de choses, peut-être. Ça pourrait être intéressant de mettre, par exemple, si c'est un web, pourquoi pas un petit cadenas avec marqué web à côté. Je sais pas, je pensais à un truc comme ça, ou peut-être pas de cadenas du tout, hein, juste marqué que c'est du web ou du WPA. Au moins, on sait s'il y a du web. Il n'y a plus trop de web de nos jours, mais bon. C'est peut-être WPA, WPA2, WPA3, enfin... En fonction du type de chiffrement qui est utilisé, on saura à quoi indiquer. Limite en mode texte pour l'instant, c'est pas bien grave. Quitte à ce qu'on ait des images après, c'est pas grave non plus. C'est des choses qu'on peut embarquer en tout cas au niveau du firmware, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut très bien avoir ce truc là. Du coup, ça casse tout le beau schéma. Donc ça peut être le channel aussi. Open. ouais, des réseaux open, on en voit quand même pas mal. Hein. Open, ouais. Donc en fait, si c'est. Open, Web, WPA, grosso modo, même si on ne sait pas forcément ce que c'est comme truc, mais au moins le chiffrement, ça permettra d'avoir de l'information, ouais, carrément. Je pense qu'on aura la place pour afficher ces textes-là sans aucun problème. Et l'idée, c'est de mettre, du coup, ça. Et ouais, je pensais mettre une petite couleur de fond pour bien, comment dire, matérialiser l'élément de la liste.
à l'écran, parce que sinon on va pas savoir que ça c'est lié ici ensemble. Le channel, ouais. Donc en fait, donc typiquement WPA, web, open, etc. Plus le channel sur lequel il est présent. Donc à la limite, il faudrait que je mette un truc. Pour l'instant, je peux placer le channel ici, potentiellement. Et puis WPA, open, web, à ce niveau-là, quoi. Après, on va voir au niveau de la position. Ça sera vraiment écrit en petit. L'idée, c'est pas de s'éclater les yeux dessus, mais c'est que c'est des informations qui sont un peu moins essentielles. Si quelqu'un qui veut vraiment regarder pourra le faire. L'idée, c'est au pire, si on tape dessus, ça sélectionne et un genre de pop-up qui apparaît, qui s'affiche à l'écran et les infos en plus qu'on peut fermer si on veut plus de détails, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on pourra mettre en place. Pour l'instant, j'ai pas fait les boîtes de dialogue, mais ça c'est un truc qui va venir. Donc voilà, donc pour l'instant, je peux mettre le channel. Au pire, on commence par mettre ça. On met le SSID, le BSSID, le channel. Ça, c'est géré par un widget. Et je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir un genre de widget avec une petite couleur de fond. Un gris palo si vous voulez, mais un truc qui matérialise assez bien la présence du widget, quitte à ce qu'il y ait une petite limite entre les deux éléments ici. Donc en gros, que dans notre système de dessin, notre widget, il commence à... Alors, il soit dessiné en fait selon une petite marge. Putain, j'arrive pas à dessiner correctement, la télé graphique, c'est une catastrophe. En fait, qu'il y ait une petite marge entre... quand vous regardez le widget du dessus qui est affiché, quand vous savez, parce que je suis en bordure de tablette, donc quand vous avez le widget du dessous, en gros, que ici, on ait un petit décalage, pas grand chose, hein, peut-être 5 pixels à peu près sur l'écran, ça suffira largement pour 5 pixels, ça suffira largement pour savoir qu'on est sur un autre item, même si virtuellement on a deux trucs qui se collent, c'est juste au niveau du dessin. De la rangée, de l'élément graphique que l'on va rogner un petit peu, histoire de démarquer. Ok, bon bah on va implémenter ça. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc différents widgets que j'ai déjà développés. On va faire un amalgame de widgets. On va utiliser un widget qui s'appelle le container. Enfin, le container. Donc l'idée du container, c'est ça. C'est on crée un widget comme ceci, qui est une zone de stockage dans laquelle on va placer un widget. Va être ici à peu près, hop, comme ça. Donc ça c'est le label, donc c'est ce qui m'a SSID que je vais piloter. On aura l'autre widget ici, ce sera le BSSID. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh, BS... ah oui, parce que j'ai créé le truc activé, je suis con aussi. La BSSID et ici le channel. On va positionner tout ça par rapport à tout ça, par rapport au à la largeur. Donc ici la largeur est variable parce que je veux que le contrôle qu'on puisse le redimensionner assez facilement. Donc tout ça, ça va être calculé dynamiquement, alloué dynamiquement. Le BSSID va être placé avec une largeur qui sera suffisante pour le texte pour placer une MAC. Et puis ensuite on va positionner le channel. Donc cette partie là ici sera variable. Ça c'est variable aussi. Et bien sûr, la taille du widget sera calculée en conséquence. Ok, ben on y va. Designons notre widget. Alors, le widget ici, c'est un truc qui est interne. C'est quelque chose qui va être utilisé dans le scanner et dans la liste bug du scanner. Donc, en fait, ça ne sera pas exporté à l'extérieur. Ça sera pas exposé à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne vais pas ici permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser ce type de widget. Ça sera purement interne. Donc là, on va le définir au niveau de notre Wi-Fi scan à ce niveau. Donc là, on va définir notre widget. Donc là, j'ai le Wi-Fi scan et on va le mettre en place ici. Ça sera l'access point widget, list item. En fait. Donc ça sera, hop, et on va prendre d'ici. Ok, donc ce widget, on va le définir comme ceci. De toute façon, il aura sa propre structure aussi, encore une fois, pour commencer un petit peu à connaître le truc. Alors, hop, on va appeler ça widget, wifi scan, widget, distitem. Donc ça, c'est mon widget. Et donc, chaque widget commence par une première structure, qui est forcément celle-ci, qui est une structure de type widget T. Alors, du coup, ça permet d'assurer qu'on ait toutes les propriétés stockées au même endroit par rapport à la structure pour le widget. C'est les infos du widget de base. Là, du coup, on aura le style, on aura tout ce qui sera avec. Et à partir de là, on peut faire notre propre tambouille. Donc là, on sait qu'on a un widget qui va être placé. Ici, c'est même un conteneur de widget qui sera utilisé. Donc je peux même passer
Attendez, que je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux mettre juste un widget et oui, on peut avoir. Attendez, je réfléchis juste parce que je n'ai même pas besoin d'avoir un conteneur au final. Vu que tout tient dedans, on n'a pas besoin de resize. On va utiliser un widget standard et puis on va mettre des sous-widgets. Donc ça sera des widgets. Donc ça sera son propre widget. On va donc utiliser. Alors du coup j'avais un cube quoi, une EasyBlock, c'est un label. Alors, on va utiliser que des labels pour l'instant, donc c'est parfait. Donc on va utiliser un widget label T. Ici pour stocker du coup le SSID. On va utiliser un widget label T pour stocker le BSSID. Et on va utiliser un widget label T pour. Par contre. Le texte, on peut le dessiner nous-mêmes en fait. On s'en fout. Donc ça, on s'en fout en fait. Je vais pas mettre des widgets, je vais tout render à la maison. On va tout render à la main, ça sera plus simple. Ok, bon bah c'est bon. En fait, c'est fixé, on sait exactement comment gérer tout. Donc là, on a le widget. Par contre, dans le widget, il faudra quand même stocker des informations. Il va falloir qu'on ait des informations sur le SSID. C'est le texte qu'on va afficher en fait. Ou tout simplement, je suis bête, on n'a qu'à avoir en fait le. Cette structure là en fait, un wifi apt qui est la structure qui va être associée au widget, comme ça on se casse pas la noix et tout est stocké là-dessus. Donc ça sera les AP info, un wifi apt et ça sera en fait un pointeur sur l'AP. Et donc à partir de là, on va choper toutes les infos directement de ce pointeur là. Donc si jamais le nom change, etc., ça sera mis à jour automatiquement et tout ce qu'on aura à faire, c'est juste à redraw le widget. Ok, bon, ça c'est cool. Du coup, c'est parti. Du coup, vu que ça c'est en local, on peut même mettre. On va même pas mettre dans fichier.h, on va mettre ici dans fichier.c. Donc, ça c'est l'access point set and widget. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, ça va commencer là. Aussi, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'ici, typiquement, on va mettre le code qui va gérer l'access point set and widget. Par contre, non. Je suis un idiot, ça faudra quand même le mettre dans fichier.h. Parce que du coup, vu qu'on va non pas utiliser des labels mais des structures comme ça, du coup ça va remplacer ça. Et donc du coup, il va falloir qu'on le mette à ce niveau-là. Donc là, ce point. Donc là, typiquement, on a des primitives de base qui vont être utilisées, telles que wscan widget. C'était quoi comment je l'appelais mon widget? C'est widget listItem. Okay. ListItem init. Donc ça permet d'initialiser le widget. Du coup dans ce widget, typiquement ce qu'on va lui dire, c'est on va lui dire bah voilà, sachant qu'il va être redimensionné de manière quasi automatique par le conteneur ici, par la Xbox, on n'a pas besoin de lui donner forcément de largeur ou autre, par contre on va lui fixer une hauteur. Pour dire voilà, le truc prendra tant de place en hauteur. Ça par contre ça va être fixé lors de l'initialisation. Merci pour le follow Irfez. Donc typiquement on va fixer le juste la hauteur et puis on va bien sûr s'arranger pour que pour lui passer du coup un wifi apt qui est le pointeur sur l'AP et qu'on va stocker. Du coup la hauteur on va la mettre en hardcodé ici, on va pas s'embêter. Et puis bien sûr il va falloir lui passer du coup le wifi scan. C'était le widget listItem T. Hop. Et listItem. Voilà, donc on va défiler le listItem, le truc qu'il faut stocker. Ensuite, on va appeler widget init, qui est la primitive de l'interface utilisateur pour initialiser un widget. Et donc là, typiquement, le widget init, si on regarde un petit peu dans tous les widgets que j'ai implémentés, c'est toujours la même technique pour la partie init. On va l'appeler avec en lui passant l'élément de la structure qui contient le widget. Donc ici typiquement quand j'appelle widget init, je lui passe ceci widget avec du coup la position. Donc ici la position vu que c'est un élément de liste on s'en fout. Le seul truc qu'on va avoir ici qu'on n'aura pas à gérer c'est qu'on va devoir gérer pardon c'est la hauteur. Et donc ici on va appeler ça wscan listItem height. On va définir donc du coup dans le fichier.h pour l'instant. Et donc la hauteur, je pense que pour l'instant, on va mettre deux rangées.
Ouais, 70, c'est pas trop mal. On verra après l'usage. Mais de toute manière, ça sera restreint à ces zones-là pour le dessin. Donc là, hop, on initialise le jet. Et c'était le but aussi pour l'interface utilisateur que j'ai développé, de pouvoir créer ses propres widgets, en fait, et de pouvoir étendre les capacités de l'interface avec ses propres widgets. Donc là, typiquement, on initialise le widget, et puis après, on fait set parameters. Donc on va paramétrer les paramètres de notre widget, donc ici la liste item, on va notamment paramétrer le PAP, c'est-à-dire le pointeur sur les informations du point d'accès, et c'est tout ce qu'on a besoin de sauvegarder pour l'instant. Tout sera dessiné en fonction des données qui vont être affichées. Et dernier point, il va falloir qu'on paramètre l'user data, donc ça c'est un truc qui est propre au widget, c'est pour qu'ils puissent stocker une référence vers leur structure, et que tous les widgets soient gérés de la même manière. Si j'avais pas ça, je pourrais pas gérer tous les widgets de manière identique. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer ici le PListItem. On va dire, pour ces structures-là, on va stocker le PListItem. Voilà, donc PListItem, c'est le widget ListItem, on s'en fout ici. Et ensuite, on va paramétrer la drawFunc. La drawFunc, c'est la fonction qui va être chargée de dessiner le widget à l'écran. Donc on est obligé ici de faire appel à ça, et on va donc définir à côté de ça une drawing function qui est la fonction de rendering en fait du widget. Donc c'est celle qui va nous afficher le texte là où il faut, nous passer les différents items là où il faut. Et donc pour ça, on va placer notre drawing function qu'on va appeler widget. Alors du coup, je vais respecter la même nomenclature. Widget listItem drawFunc. Donc ça c'est la fonction de draw que je vais reprendre, alors pour montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Pour l'instant on s'en fout un petit peu de ce genre de choses. Donc là, voilà, donc on a grosso modo cette structure là pour la fonction de draw. Et j'ai oublié un truc aussi, il va falloir aussi qu'on prévoie la sélection et l'affichage des éléments sélectionnés. Donc pour la fonction, donc on va appeler avec cette fonction là, donc elle va s'appeler comme ceci. Après un PWidget, et du coup on va pouvoir récupérer un truc comme ceci, hop, en récupérant PData, c'est à dire qu'on va pouvoir récupérer notamment notre structure qui définit notre widget. Notre widget qui est donc ceci, voilà. Et si ça c'est différent de nous, ça veut dire qu'on l'a paramétré, et donc on va pouvoir récupérer, et ici on va dessiner notre widget. Donc là c'est que des routines de dessin qui vont permettre de placer le texte au bon endroit, tout calculer en fonction de la largeur, en fonction de la hauteur, etc. Et ça va dessiner notre widget. Et ça, bah, du coup, c'est la routine qui va faire l'affichage pour notre widget en question. Donc l'idée, bah, dans un premier temps, ça va être juste d'afficher le texte, on verra ensuite pour la couleur de fond, ce genre de choses. Ça, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Par contre, on va utiliser des fonctions graphiques liées aux polices de caractère. Donc on va utiliser notamment, non pardon, c'est pas ici, c'est dans widget il me semble, voilà. On a des fonctions pour faire un draw text ici, et draw text x2. Donc draw text x2 c'est la taille x2, celle que j'utilise ici sur l'affichage. Et draw text est beaucoup plus petit, il affiche du texte en petit, et donc on va pouvoir utiliser ces primitives là. Et on lui donne ici des coordonnées par rapport au widget, ainsi que la couleur, etc. Et tout ce qu'on veut. Donc là ça va être super cool pour dessiner dans notre widget, parce qu'on a quasiment tous les primitives à dispo. Donc on va dessiner le widget. Donc je vais commencer ici typiquement par afficher le SSID. Donc pour afficher le SSID, on fait un widget draw text x2. Ici on lui passe pwidget, ça permet de savoir dans quel cadre ça s'inscrit. Je vais mettre ça à 5 à droite, 5 à gauche pour décaler un petit peu par rapport à la gauche ce truc là. Le texte, bah, du coup c'est pwidget.item. List item de PAP PSSID. Et ensuite la couleur, bah, c'est simple, c'est le PWidget style.front. Et là vous avez un texte qui est dessiné dans votre widget à l'endroit que vous voulez. Ensuite on va dessiner le BSSID. Je vais juste mettre ça pour l'instant, puis on va tester après. Donc on va dessiner le BSSID. Hop. Alors j'ai pas mis la couleur, vous avez pu voir ici au niveau du texte qui est dessiné. Il aurait fallu que je switch la couleur en fonction du, comment dire, eh bien de notre niveau, comment dire, tout simplement du niveau de notre du signal qui est reçu pour le point d'accès Wi-Fi. Et donc le BSSID, on va faire en Y 5 plus 18 du coup,
et on va afficher le BSSID avec une police comme ça. Et ça, j'en reste là pour l'instant. Bien sûr, 70, c'est peut-être un peu beaucoup, du coup, je viens de me rendre compte, parce qu'on va afficher 32, pardon. Donc, ouais, c'est ça, donc c'est, faut mettre 36. 36 et 16, ça nous fait 52, donc 60, ça serait peut-être plus adapté, plutôt que 70. Voilà. Du coup, ou 6 scan, donc là, ça va nous générer ça. RSSI, ouais, le RSSI, je ne l'ai pas mis pour l'instant, je vais faire en plusieurs étapes. On va le gérer après avec la couleur. Je veux juste voir déjà si ça rend à peu près correctement à l'écran quand j'affiche le ESSID en gros et le BSSID en petit. Parce que du coup ici c'est vraiment petit qu'on va mettre. Et avec la couleur de front. Après la couleur limite c'est juste un entier qu'on va pouvoir sélectionner avec une fonction assez radicale. Et normalement ça c'est censé me dessiner correctement mon widget. À l'écran avec donc là maintenant grosso modo si je reprends mon architecture ici j'initialisais des labels avant, maintenant j'initialise des APS, des widgets, des list items. Donc au niveau de mon init, attendez, c'était par ici, voilà, là je faisais un widget label init. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire c'était quoi, un wifi scan. Wifi scan widget list item init. Donc ça c'est ma fonction ici qui est dans du coup wifi scan qui est au tout début normalement, qui est ici. Wscan, widget list item init. Donc ça c'est la routine qui va permettre d'initialiser mon widget. Et du coup ici ça sera pas les mêmes primitives. Et bien je vais lui dire ok, écoute, tu me passes ton élément list item, donc c'est celui-ci. Et tu me passes le PAP qui va avec. Du coup, le PAP, pour l'instant, il va être nul, parce que je ne l'aurais pas configuré. Et donc ici, typiquement, j'ai un null en PAP. J'ai pas pris ça en considération, d'ailleurs, ici. En fait, ça, il faut que je dessine ça, que si PAP est bien défini. Bon, normalement, il devrait être défini. On va pas prendre de risque à faire cracher le machin si jamais on a une erreur de prog. Voilà, donc là on fait que si on, ça c'est des différents modes. Comme ça on s'assure vraiment ceinture et bretelle que ça marchera. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là on initialise le truc, tout va bien. Maintenant quand on va mettre à jour notre scan, du coup là pour l'instant on faisait un widget label set text. Et en fait ça on n'a plus besoin de le faire parce que ça c'est automatiquement répercuté. La couleur, on va falloir qu'on le refasse. Mais tout ce qu'on va avoir à faire, c'est juste un widget Xbox add avec la référence sur le widget et il va être automatiquement ajouté. Donc ça, je vais le refaire après. Hop, ça, il n'y a plus besoin parce que c'est linké directement sur l'AP. Par contre, il va falloir paramétrer pour le widget en question. Il va falloir lui filer le PAP qui va bien parce que par défaut, il n'est pas configuré. Donc ici, j'ai du scan.aps de machin et là, on peut faire notamment PAP est égal à. Du coup c'est le PAP record. Donc c'est des pointeurs encore une fois. Donc là en fait le PAP record c'est encore une fois une zone mémoire qui est gérée par le scanner, qui est allouée par le scanner et qui est maintenue. Et donc là typiquement je pointe juste dessus, ce qui permettra d'accéder aux données du scanner directement sans avoir à faire de copie ou que ce soit. Donc ça permet d'imiter aussi la consommation au niveau de la mémoire. Et ça du coup dans le L j'ai pas besoin de le faire. Dès que le scanner va mettre à jour, du coup, on va mettre à jour ceci. Donc là, ça peut sauter. Parce qu'on fait référence ici directement au label. Chose que je faisais, que j'étais obligé de faire avant, parce que du coup, on passait dans ce truc-là qu'une seule fois. Et du coup, le label, lui, il fallait mettre à jour son SSID. Bon, et ben c'est pas mal. Ça me semble pas trop mal, on va essayer de dire ça compile. Alors, ça marche du premier coup, c'est toujours un. Alors, ptype, limit pwrite, wifi scan, pensez une 47. Wifi scan, j'ai fait de la merde, j'ai copié-collé une routine et du coup, là, je me fais avoir. Ptype, c'est nul. On s'en moque en fait de savoir ici qu'on a pas de tile. Ok, j'ai un égal. Ah, error. Evalue required as desktop errand of SM. Ok, donc là, PAP record. Faut toujours commencer à définir mon PAP. PAP, c'est bien un pointeur sur Wi-Fi APT. Et mon PAP record.
C'est un PAP record qui a un wifi à péter. Non, c'est un pointeur aussi. Jusque là, non, c'est bon. Là, c'est qu'en fait, on a. Je ne dis pas de bêtises, ça, normalement. Les APS, c'est un tableau qui est loué en dur mémoire. Ici. Qui est donc un tableau d'éléments liste item. Et dans ce tableau d'éléments. Ok, je vois le problème. Donc, il ne faut pas que je mette ça. Il faut que je mette ça. Et là, non, c'est bon. Je passais en fait une référence et il n'était pas fan. Alors, PAP, ESSID, bah, c'est un peu la même chose en fait. Le PDC item dans le DIN 36, c'est la routine de dessin du coup. 36-36, donc là, ouais, c'est PAP, j'ai mis ESSID d'ailleurs. C'était censé être le BSSID, mais il faut le formater. Ah, je ne l'ai pas formaté, quel idiot. PDC item de PAP, oui, il y en a dans le DIN, pas forcément, oui, forcément, ouais, il pointe aussi. Donc le SSID, alors je pointe sur le PAP. Ça c'est déjà un pointeur normalement. Le PDSystem c'est un pointeur. Aïe, attendez, j'ai du pointeur, de pointeur, de pointeur. Enfin je vois. Donc le listSystem c'est cette structure. Je déréférencie PAP. PAP c'est un pointeur. Et le PAP SSID me dit qu'il y a un problème dans les. Ok, il faut que je mette du char et tout en fait. Sur celui-là il n'y a rien de critique. Par contre le BSSID il faudra que je le mette en forme mais je ne l'ai pas fait. Donc on va faire un petit char. BSSID avec du coup il va nous falloir 6 octets x 2 12 plus excusez-moi 6 octets x 2 ça fait 12 caractères plus 5 caractères entre les deux ça fait 17 caractères et un octet nu 18 tiens ça nous fait donc 18 octets mais là bon, on va pas s'embêter on va faire un petit SNPrintf qui va bien donc ici hop on va faire un petit SNPrintf dans BSSID on met %0 de x 2 points %0 de x 2 points %0 de x 2 points et ainsi de suite on fait ça donc pour 6 fois attendez je mets ça comme ça 4 5 6 et on va ensuite passer clac ça va pas déborder mais bon je préfère utiliser des fonctions sécures dès le départ hop et on va mettre ici donc p list item de PAP BSSID 0 et on fait ça de 1 1 alors ouais. 1 2 3 4 5 voilà. Ensuite 5 2, 3 2 1 5 paramètres un paramètre en plus qui est la taille du buffer qui doit être passé dans ici qui est donc de 18. C'est le max len en charge truc s ouais max len la chaîne de format et ensuite des paramètres et là du coup on va passer bcsid voilà ça va aller mieux. Aïe, qu'est ce que j'ai encore fait comme erreur un expected expression du for point virgule de parenthèse sur une 44 aïe j'ai mis une virgule en trop. Hop. Et là, normalement, ça devrait marcher. Bon, on a notre première version. Alors, est-ce que ça crache? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça plante? Est-ce que ça... On va voir. Ceci dit, normalement, notre listbox, maintenant, devrait contenir des items custom et pas des labels. Et on va pouvoir notamment gérer le style de ces items et comment ils sont affichés. Voilà, est-ce que ça crache? Ça a l'air de tenir pour l'instant. Donc, on va aller regarder ça. Et hey, c'est pas mal du tout. Et là, vous avez les résultats, donc... Alors par contre, le seul truc qui crame, c'est ouais, l'affichage des BCCD n'est pas très lisible. Il a fallu que je mette en majuscule du coup. Donc on va changer ça en majuscule. Et on peut voir ici bah, du coup que j'ai bien les affichages par point d'accès avec à chaque fois le BCCD qui est affiché dessous. Donc ça c'est cool. Par que, ouais. Bon, là j'ai un Bbox BB3B D1 D6 avec 2A, 2C, etc. Mais il faut passer en majuscule, c'est juste l'horreur. En minuscule c'est illisible. Donc on va changer ça. Ici on va être X en majuscule pour le BSSID, sinon on va pas réussir à s'en sortir. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Hop, on fait ça. C'est un peu fou. Ouais, je sais. Parce que là j'ai une caméra pourrie.
Je suis désolé, j'aurais dû prendre mon smartphone pour vous montrer ça. Après, je peux peut-être essayer d'arranger les qualités, les critères de... Alors oui, le RSSI en plus, vu qu'il est tout petit chez vous, vous verrez pas. C'est vraiment tout fou, tout fou. C'est la caméra pour rêve que j'ai là, qui est pas terrible. Je vais level up au niveau du setup bientôt. Dès que j'aurai une caméra DSLR digne de ce nom, on pourra faire un peu de zoom. Mais bon, on voit en tout cas qu'on a bien les ondes réseau qui s'affichent. Et là, du coup, je regarde vite fait, mais les max sont bien lisibles. Et ça, c'est plutôt cool. Ils ont la même longueur, hein, façon, voilà. Tous les max, si vous regardez ici, se terminent à peu près tout au même niveau. Donc il me reste juste ici à venir écrire le channel et puis mettre un petit fond qui va démarquer, ou des traits, hein, tout simplement, un trait horizontal entre chaque, qui va démarquer la présence de cet élément-là. Quoi. Les couleurs de fond, ça peut être sympa. Bien sûr, il faudra gérer l'affichage du... avec la couleur, histoire qu'il affiche le réseau comme il faut. Donc ça, on peut l'implémenter assez rapidement, si vous regardez. Donc on va mettre ça en place, je sais pas. Je tape juste ici le truc. Donc pour la couleur, du coup, comment ça se passe? Vu que je gère tout au niveau de ma routine de dessin, et notamment du style front, eh bien, en fait, là, je vais pas mettre de style front, c'est moi qui vais choisir la couleur en fonction du RSSI. Donc là, on va faire une petite routine, qui va nous tourner en unité CST. CST, pardon. Avec WSCAN. Get RSSI color en fonction bah, du RSSI quoi. Donc on va lui passer le niveau des RSSI canadiens et en fonction de ça va nous donner la couleur. Donc typiquement si RSSI est inférieur à WSCAN RSSI low, on return WSCAN RSSI low color. Si on est passé par ici, ça veut dire qu'on est supérieur. Donc si on est inférieur, alors c'est inférieur ou égal à chaque fois. Inférieur ou égal à WSCAN RSSI medium. Dans ce cas-là, on return WSCAN RSSI medium color. Et sinon, on return WSCAN good color. RSSI good color. Voilà, donc ça c'est la routine qu'on va appeler. Ensuite, je vais appeler ça ici directement en lui passant en paramètre pstitem. De PAP RSSI. Et ça, je prends ça ici. Est-ce que je mets pareil pour le BSSID ou pas, à votre avis? Est-ce qu'on met la même couleur pour les deux? Bon, je vais laisser juste pour le BSSID parce que ça donne. Allez, selon flou. Hors flash. Et là, du coup, la couleur va être choisie en fonction du niveau de. En fonction du niveau de signal. Et on aura une petite disbox qui va afficher le truc. Il ne restera plus qu'à gérer l'animation correcte au niveau de au niveau de la listbox pour que ça fasse un truc plus fluide à l'utilisation. Et j'ai fait pas mal d'améliorations justement ces derniers jours sur la partie ici affichage. Donc là ouais c'est good. On a bien du rouge, du orange. Si je pop un réseau ici, qu'est-ce qu'il me dit? On va popper le réseau. Si je sors le réseau Hello You, donc il devrait apparaître vers la fin, je pense. Hein. Donc on va le voir apparaître ici. Et là, il apparaît bien en vert, Hello You, donc avec la Mac qui va bien. Si je change le nom du réseau, du coup, on devrait pouvoir changer. Donc je stoppe le réseau, on change le nom du point d'accès, on va l'appeler comme. Ouais, je pense que le SSID juste en couleur, c'est cool. Ça évite de surcharger au niveau de la couleur. Je vais appeler ça test par exemple, elle est super original comme nom, j'active le SSID, donc là vous allez voir normalement le Hello You il est changé en test. Donc automatiquement ce qu'il a repéré que c'est la même Mac, et donc automatiquement c'est mis à jour dans la liste des points d'accès qui sont gérés par le scanner, et boum, c'est fait quoi. L'avantage c'est ça en fait, vu que tout l'interface utilisateur fait juste que piquer ses données dans des zones mémoire qui sont gérées par les scanners, et ben du coup on n'a plus de problème, ça marche nickel. On a bien un truc qui est mis à jour en temps réel, quoi. Donc ça c'est cool. Si je change de channel, c'est pareil, ça sera changé. Donc maintenant on va rajouter le numéro de channel aligné à droite, et puis le petit truc de fond, puis on devrait être pas trop mal. Je vais couper ça. Et après pour le reste, ça sera typiquement plus du comportement de la listbox. Donc dès que j'aurai changé le widget listbox, ça va automatiquement se répercuter sur l'utilisabilité du truc. Donc on a dessiné le BSSID, donc maintenant on va dessiner le channel. Draw channel. Alors le channel, comment on va le placer? Eh bien on va le placer. J'ai pas encore géré l'animation ici sur
sur la disque golf, on peut la faire de la même manière ici. Hein. Donc ici, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tracé de channel au même niveau que le BSSID avec à peu près la même taille, histoire de maximiser le nombre de boosties que je peux afficher. Donc on va se faire un petit widget draw text de la même façon ici. Par contre, le positionnement X, il va dépendre de mon widget. Donc ici, on va aller chercher la box, ça, c'est la définition de la taille du contrôle. Donc le pay widget box width, c'est la largeur, moins une certaine quantité qu'il va falloir mettre. Sachant que là, j'ai dit que je commençais à 5, donc je vais garder 5, moins du coup la taille du texte. Alors, on est sur 2 caractères max, on est sur du 8. Je pense que si on met moins 20, on devrait être largement bon. Après, on ajustera en fonction. Et là, du coup, on met non pas le BSSID, mais du coup, il va falloir mettre ça sur le caractère. Et donc, ici, il va falloir mettre un channel. Donc, le channel, c'est 3 caractères max. On va se faire un petit SMPrintf ici. SMPrintf de channel 3% D de P. List item PAP channel. Voilà, on prépare en format vite fait le buffer en zone mémoire temporaire en RAM et ce qui sera ensuite libéré. C'est juste le temps de faire le dessin à l'écran quoi. Tac. Et voilà, donc là c'est parti, normalement on devrait avoir le channel. Voyons voir. Hop, ça compile. Ah, si j'avais pas fait d'erreur, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que je me suis erreur SNPNTF output mais bitron cut before the last format character. Ouais. Alors, en plus il me pète on va limiter à 3 si tu veux, y'a pas de problème. À 2 même. Pour son 2D, hop. Ça tu vas pas criser. Erreur, c'est printf. Pourtant. Attendez. Between 3 and 4 bytes into a destination of 3. Voilà, si je mets 2 décimales. Bon, bah, si tu veux en mettre 4 octets, c'est pas un problème. Hein. Écoute, si tu veux 4, normalement ça tient là-dedans. Hein. Ok. Du coup, ça compile, ça flash sur la montre et puis on va pouvoir passer sur l'affichage. Mais bon, en tout cas, on a un scanner qui est opérationnel. Il restera plus qu'à gérer vraiment la partie disbox, sélection, etc. Mais c'est quand même pas trop mal. Alors, voyons voir. Bon, là, je passe sur le test de disbox. Et ensuite, ici, j'ai mon channel. Et vous avez des channels qui s'affichent. Donc, si c'est 06, 06, 06, c'est ce que j'en ai sur le canal 1. Non, pas pour l'instant. Si je fais popper mon super truc sur le channel 8, ça me donne quoi? Donc, je vais faire apparaître le point d'accès test. J'en ai un sur le channel 1 et ici il apparaît bien sur le channel 8. Alors c'est pas forcément facile à lire, mais là franchement à l'œil quand on regarde ça fonctionne, c'est vraiment cool. Alors, on a quand même quoi 4 noms de réseau qui sont affichés en temps réel qui permettent de regarder. On pourrait d'ailleurs je pense réduire l'espace entre le nom du réseau et ce qu'il y a dessous, 1 ou 2 pixels max. Ça devient visible. 3 caractères, il a prévu les channels 5 GHz. Oui, possible. Donc du coup, faut que je prévoie donc un 0.3D dans ce cas-là. On se rajoute un 0D à la place. Là. Ok, donc je rebuild ici. J'ai fait juste une modification pour enlever le 0 initial. C'est plus visible. Et je vais mettre une petite couleur de fond, un petit, je pense un gris, mais très très léger. On va voir si ça permet de mieux lire, en tout cas, la sortie. Sur quel doc de Bastu pour coder ça? Bah, ça dépend, on va coder quoi. pour la partie interface utilisateur, c'est moi qui l'ai designé à 100%. Donc là, typiquement ce que tu vois là, donc l'affichage de l'écran, la gestion du swipe à l'écran, de quand je touche, etc. Ça c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de doc. La seule doc qui me sert vraiment de base, c'est la doc de l'SP32, parce que ça fonctionne sur un SP32.
simplement réussir à mettre une programme sur une smartwatch. La smartwatch est faite pour ça. C'est une smartwatch programmable. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui voient pas ce que c'est comme type de watch. C'est une T-Watch V2 2020 pardon, de Liligo, qui est une montre connectée. Alors, c'est même mieux sur leur site, si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà. Qui est une smartwatch en fait programmable, qui est fait pour, c'est fait pour être développé. D'ailleurs, faut que je regarde au niveau d'une autre smartwatch que j'ai vue qui peut être intéressante à faire de Pine, où ça semblait super cool. Faudrait que je vois si ça. Mais bon, après, ça me fait encore un produit en plus, ça commence à faire. C'est ce genre de smartwatch là, donc c'est une smartwatch programmable qui est fait pour être un périphérique de développement. Et du coup, ça peut se développer avec de l'Arduino, du MicroPython et ainsi de suite. Et du coup après voilà, donc dessus on a un chipset ESP32 qui est une puce d'expressif qui gère notamment du Wi-Fi et du Bluetooth, un écran 1,54 pouces capacitif, un touchscreen, hein, donc donc il est capacitif en plus, c'est relativement bien. Donc après c'est l'écran, c'est le driver, enfin la puce qui gère l'écran est indiquée ici, la puce qui gère l'écran tactile. Qui est par-dessus l'écran que vous avez ici, donc l'écran LCD, c'est celle-ci. On a un accéléromètre 3 axes, une batterie, une horloge RTC pour garder les synchro sur l'heure, un petit moteur pour faire vibrer, un speaker, donc on peut jouer du son, et un capteur infrarouge ici qui permet notamment de. Alors je crois que c'est une diode, une LED infrarouge, c'est pas un sensor en fait, c'est a priori une diode infrarouge qui permet de faire des émissions, et je connais quelqu'un qui a fait un TV Beacon avec, et puis un bouton aussi sur lequel on peut appuyer. Donc voilà. Et ben écoute, bonne nuit Drig, et merci d'avoir suivi. Là, je vais peaufiner, je pense, plus le scanner et finaliser ça comme il faut. Donc après, je mettrai 2-3 photos, je pense, sur Twitter et sur le Discord, histoire de tenir un petit peu, documenter un petit peu tout ça, quoi. Mais et du coup là pour info, donc on a un truc qui nous affiche quelque chose comme ceci. Là c'est j'utilise les capacités Wi-Fi du truc et ça nous affiche tout simplement notre les réseaux Wi-Fi environnants. Bon, il y a un bug au niveau de l'affichage sur un caractère, mais bon ça je vais régler ça au fur et à mesure. Pareil, la navigation dans la Xbox c'est pas facilité, mais voilà. Ouais, la prime time est pas mal, Manu. J'hésite, hein, à 20 balles, ça peut valoir clairement le coup. Le problème, c'est que je pourrais pas faire ce genre de choses avec la prime time. La prime time, ça serait plus pour faire peut-être un firmware vraiment stylé de montre. Quoique, la prime time, elle doit gérer du BLE, donc ça peut être marrant de faire un outil d'attaque BLE, mais je peux pas faire Wi-Fi. Et je trouvais ça plus cool de faire du Wi-Fi. Salutations, Antix. Comment va? Depuis cet après-midi. Donc voilà, mais en tout cas, là, le scanner Wi-Fi fonctionne pas trop mal. Je suis plutôt content de moi. Juste la partie Xbox qu'il va falloir revoir au niveau interface, mais voilà. Merci pour le follow, Gligoli. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est juste. Du coup, le channel c'est plus lisible comme ça, on voit bien. Par contre, il est, à mon avis, il est un petit peu trop décalé, je le voyais plus près du bord. Ça va, on a essayé du MacGyver en live, c'était intense. Du MacGyver en live, ah, t'es pas furieux toi. Moi, je suis avec ma pauvre tablette graphique, tu vois, j'arrive à peine à faire des trucs comme ça. Comme ça, non, et si, voilà mes petits diagrammes de dessin, enfin de schéma sur des widgets d'interface utilisateur. J'en suis resté là, je suis pas foutu de faire une ligne droite à partir de ça, c'est pour te dire. Donc, bravo, chapeau à toi en tout cas, ça dépend des fois. Donc, voilà, donc typiquement, c'est plus des réflexions et ça me permet justement de brainstormer sur comment ça marche pour arriver au final à quelque chose qui ressemble à peu près à ça. J'allais juste mettre des fonds de la couleur de fond, voir si ça marchait. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Donc ici, on dessine le draw texte et du coup, au tout début, on va dessiner le fond. Donc on va draw le background. Pour l'instant, je vais l'hardcoder, le background, et on pourra le configurer après sur le widget. Donc on va faire un widget fill region. Sur notre widget. On va, je dis, laisser un pixel à peu près de décalage, donc je vais faire pwidget de box.width-2, et puis je vais faire un pwidget de box.height-2, ce qui permettra d'avoir à peu près ce qu'on cherche. Et la couleur, bien sûr, que je n'ai pas précisé, on va faire un petit RGB 1, 1, 1, on va voir ce que ça donne. Allez, on compile et on teste.
Je vais voir si je peux faire un truc d'un peu dans les mêmes idées en C++, je cherche un projet qui change de ce que je fais d'habitude. Bah là, franchement, ouais, bah, moi c'est... Je suis tombé sur la montre avec, bah, du coup, à cause de Tix, tiens, qui est ici présent, qui m'a dit « Ah, regarde, il y a une montre, elle est cool, elle fait du BLE, c'est basé sur un SP32, ça a l'air sympa. » Et je me suis dit « Bah ouais, tant qu'à faire, pourquoi pas, c'est une plateforme que j'aime bien, c'est fun, on va regarder, quoi. » Et bah, du coup, je me suis lancé dedans, et ça, voilà. Donc là, on a un écran d'orsay normal, hop, et ici, donc on a quelque chose comme ceci, alors... Ah, c'est pas mal, j'aime bien. C'est un peu... Ça se verra pas, je pense, ici. Ah si, quoique, on voit légèrement une petite couleur de fond ici qui démarque avec 2 pixels, je crois, entre chaque, qui permet de voir les réseaux Wi-Fi de manière assez nette. En plus, le SPIDF à faire marcher avec, mais carrément. Ah non, mais c'est top, hein, franchement, ça se développe bien. Après, une fois que tu as développé les drivers, que tu as des bons drivers pour gérer tous les trucs, c'est top, franchement. Bon, là, il me reste juste la partie... La partie Wi-Fi, comment dire, pas la partie Wi-Fi, mais la partie Xbox à gérer en termes de d'interaction, mais je suis arrivé à des trucs sympas, quoi. Enfin, ce que je montre pas, en fait, c'est que je peux rajouter un bouton en plein milieu, je peux rajouter une progress bar, enfin, on peut faire des trucs de folie avec ce truc. Bon, ça marche vraiment pas mal. Enfin, de folie, je veux dire. Sur la base de l'interface utilisateur que j'ai designé, en tout cas, elle est relativement flexible pour qu'on fasse des trucs comme ça, quoi. Ça va être bien compliqué. Bah, les zen, ça dépend, c'est un peu comme tout en fait. Tu peux penser que c'est compliqué à faire, mais quand tu mets pas la charrue avant les bœufs, ça marche. En gros, j'ai commencé à dev dessus, c'était pas ouf, hein, dans le sens où. Un petit peu voir. Dans le sens où j'ai commencé par bosser des drivers, quoi. Donc, comment afficher des trucs à l'écran, comment afficher un pixel, etc. avant d'attaquer l'interface utilisateur. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand tu regardes le code que ça produit, ça commence à faire un petit peu. Hein. Enfin, typiquement, tu check ici, tu commences à avoir quelques fichiers. Cette partie-là, voilà. Ça, c'est que la partie, que les fichiers qui correspondent à l'interface graphique avec notamment tous les drivers, etc. Mais. Et ça, donc, c'est l'interface utilisateur, elle est développée en parallèle. C'est-à-dire que je crée des widgets, j'améliore la fonctionnalité au fur et à mesure, en utilisant notamment ces différents trucs. Un driver, t'as aucune idée de comment ça se passe? C'est pas très compliqué. Allez, une petite explication sur, par exemple, sur cette. Avec un cas d'usage, typiquement avec cette montre. Non, c'est ça. Donc, ici, pour le driver, comment ça se passe? Ben, imaginons, par exemple, que je prends ici le. Ce truc là, hop. Alors pour l'XP, j'ai bien galéré à faire marcher les trucs qui en dépendent. Mais avec du temps et du sien doux, ouais, c'est ça. Bah, typiquement, la montre, comment ça marche? Alors, là, je vais aller vraiment dans la partie hardware, ok? Donc, t'as un écran. On va commencer par l'essentiel, t'as un SP32. Donc, le SP32, si tu veux, c'est ton cerveau du truc. Tu peux te connecter en USB avec ce machin là et faire du développement. Donc, en fait, dans le SP32, t'as une partie qui est intéressante, qui est ton firmware. Donc c'est ton code en fait qui va être exécuté. À côté de l'ESP32, il y a des périphériques qui sont connectés via des fils en interne. Enfin, c'est sur un circuit imprimé, hein, mais en gros, il y a des connectiques entre ceux-là. Et donc, tu vas retrouver un écran. Avec bien sûr, au-dessus de l'écran, ou pas très loin en tout cas, tu auras le touchscreen. Donc le touchscreen, c'est un composant qui va te dire à quel endroit tu as touché. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Tic? Je me souviens plus. Écran, touchscreen. Il y a l'accéléromètre aussi. Donc là, c'est les accéléromètres, je mets Axel. Qu'est-ce qu'on a d'autre autour? On retrouve ici le moteur, par exemple. Le vibreur, on va appeler ça comme ça. Le vibreur, c'est un moteur avec une petite basse haute. Et puis le haut-parleur, typiquement. Alors le haut-parleur, c'est plus un système audio, on va dire, que le haut-parleur directement. La Wi-Fi, en fait, tout ce qui est Wi-Fi, c'est directement intégré ici. En fait, donc là-dedans, dans ce truc-là, t'as Wi-Fi plus BLE. Et c'est fourni avec. Et la partie driver, si tu veux, c'est plus les interconnexions entre ces trucs-là. Là. On va avoir une communication entre le SP32, le touchscreen, l'écran, l'accéléromètre, le vibreur et l'audio. Qui vont utiliser notamment en termes d'électronique, c'est juste c'est câblé avec des fils et on a moyen de communiquer avec ces trucs là. Et typiquement, l'écran, il me semble que c'est un écran, on utilise un protocole électronique qui s'appelle SPI, donc le Serial Peripheral Interface, qui est compris de l'ESP32. Et à partir de là, ce qu'on dit, c'est à l'ESP32, il va tu communiques avec l'écran via ce protocole et on t'envoie telle donnée, tu récupères telle donnée. C'est ça en fait le driver.
les drivers qu'on va implémenter dans l'ASP32, donc au niveau des drivers qu'on va développer, on va faire un driver pour l'écran. Donc ici, on fait un driver pour l'écran. Le driver écran, c'est quoi? Eh bien, ça définit notamment comment je fais, par exemple, pour mettre un pixel sur un écran. Quelles sont les séquences d'opérations que je dois, enfin, les opérations que je dois effectuer en communiquant avec l'écran pour lui faire afficher un fichier, un pixel, ou pour mettre à jour une portion d'écran, par exemple, si je dois dessiner un truc comme ça à l'écran. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu prévois des primitives graphiques de base qui permettent de faire ça. Et donc, typiquement, après, dans ton driver d'écran, pardon, tu as des possibilités. Donc, tu vas pouvoir faire setup 7 pixels, get pixel, enfin 7 pixels, set line, draw pixel si tu préfères. Donc, tu auras un draw pixel. Et en fait, ton driver, c'est vraiment les primitives de base. C'est je effacer l'écran, par exemple, simplement. Donc là, ça sera effacer l'écran. Je me suis en train de m'embrouiller sur les... Donc ici, effacer écran. Là, quand je disais là... effacer écran, et ainsi de suite. Et ça, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire avec ton driver. Donc ton driver d'écran, il va permettre de faire ça. Ton driver de touchscreen, lui, le touchscreen, il va te dire, ok, je peux te retourner la position à laquelle... donc il va te dire bah, s'il y a un touch, donc s'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un touch, les coordonnées par rapport à l'écran, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on fait, oui j'ai oublié la LED hier, absolument. Donc la LED hier pour faire du TJBeacon qui est aussi connecté. Et ça typiquement, le vibreur c'est via des GPIO, c'est-à-dire des sorties tout ou rien. L'infrarouge c'est pareil, c'est une GPIO. Ça c'est des choses qui sont pilotables via l'ASP32. L'audio, il me semble que c'est du 2S qui est utilisé. Le touchscreen, il me semble que c'est du 2C. De mémoire, l'accéléromètre, ça dit dossier aussi. Et tout ça, c'est déterminé par le mec qui a conçu la montre. Et il te donne la documentation, tu sais grosso modo comment dialoguer avec tel ou tel truc. Il te donne toutes les spécifications techniques. Et la partie écriture de driver, en fait, c'est surtout comment on peut faire des choses de base sur l'écran, sur le touchscreen, sur l'accéléromètre, sur le vibreur, sur l'audio. Il y a encore l'horloge RTC que je n'ai pas intégré ici. D'ailleurs, moi, je n'ai pas encore fait de driver de ce truc-là, mais. C'est un truc là, et donc tu as toutes ces périphériques qui gravitent autour de ton ASP32, et il faut gérer avec du code les différents drivers. Une fois que tu as tes drivers, c'est assez facile de dire bah, je vais mettre un pixel ici, je veux que tu dessines une ligne, etc. Et donc, pour ton interface utilisateur, et donc tu peux très bien, quand tu implémentes ton touchscreen et ton écran, récupérer l'endroit où ton utilisateur a appuyé, et ensuite dessiner un point ou tracer une ligne par exemple en fonction de l'endroit qui a été pressé. Le plus dur dans Driver, c'est de dire la doc du composant. Absolument, Irfaz. Le plus dur, en fait, c'est effectivement de savoir comment communiquer et qu'est-ce qu'on doit lui envoyer pour qu'il fasse ce que l'on veut et qu'est-ce qu'il est censé nous retourner comme information. Par exemple, l'écran ici, il est unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est nous qui allons lui dire ce qu'il doit faire et le truc, il fait ce qu'on lui dit, quoi. Mais par contre, c'est la manière de lui dire et comment on code l'information qui fait que c'est plus ou moins compliqué. Merci pour le follow, Audacious Vice. Donc voilà, donc cette partie-là, c'est typiquement quand j'ai commencé le dev, j'ai commencé par ça. Si vous voulez, au niveau du dev, j'ai commencé par gérer l'écran, gérer le touchscreen, gérer l'accéléromètre, gérer le vibreur, l'audio, et il me reste l'infrarouge et de l'RTC à gérer. Une fois que tu as ça, tu as une base de travail en C avec des primitives. Si tu veux comparer par rapport au code, en fait, j'ai un dossier dans lequel j'ai mis tous mes drivers, ici. Donc le driver de l'écran, il fonctionne comme ceci. Voilà. Le driver de l'écran, il est un peu moins bien documenté d'ailleurs, parce que c'était pas... Mais le driver de l'écran, en gros, c'est assez obscur au final comme code, parce que c'est comment tu peux arriver à piloter ton écran, et c'est basé sur la documentation du composant. Par contre, voilà les fonctions que mon driver fournit. Donc tu es obligé d'appeler la routine d'initialisation du driver, donc ST7789 init. Ça initialise toute la partie... ouais, c'est un peu comme un prestataire, ouais. J'initialise toute la partie graphique et après je peux régler le backlight, je peux paramétrer le degré de luminosité de l'écran. J'ai une notion de drawing window, c'est-à-dire que je peux restreindre le dessin à une certaine portion, je peux effacer le contenu de l'écran. Il y a un frame buffer, c'est-à-dire en gros le contenu d'écran, je l'envoie d'un coup tous les pixels ensemble et tous les dessins, toutes les opérations de dessin sont faites en mémoire. Elles sont faites en mémoire et ensuite c'est envoyé à l'écran. Donc j'ai 7 pixels, fill region, draw line, draw fast time, et c'est là où c'est vraiment du code super compliqué, où on se prend beaucoup la tête. Mais une fois que tu t'es pris la tête là-dessus, t'as plus à te soucier de quoi que ce soit, t'as juste tapé tes primitives, dessine un pixel, fais-moi une ligne, remplis-moi une région à l'écran, dessine un rectangle rempli avec telle ou telle couleur, et c'est automatiquement géré.
C'est juste, voilà. Il faut lui donner des ordres précis. Absolument. Au niveau de l'écran, il faut lui donner des ordres précis. Et donc après, typiquement, c'est plus. Donc si je reviens sur mon archi au niveau logiciel, j'ai codé ce driver d'écran. Mais par contre, il ne va pas gérer l'interface utilisateur. Ce driver d'écran, il va rien faire de plus, quoi. Il va juste afficher à l'écran. Donc par contre, si on essaie de voir un petit peu comment ça marche au niveau interface utilisateur, bah, comment ça fonctionne, j'ai un code principal et on va lui dire ici de faire quoi que ce soit. All you need is GNU. Merci pour le follow. Mais bon. Et donc en gros, ce que tu fais, quand tu veux faire une interface utilisateur, eh ben, si tu as des primitives, si tu as un driver d'écran, donc ok, tu fais ok, j'ai un driver pour mon écran. Donc je sais comment dessiner des pixels, comment dessiner des lignes, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir voir comment tu gères ton interface utilisateur. Tu sais, par exemple, tu as un touchscreen qui permet d'avoir des entrées de l'utilisateur. Donc l'utilisateur peut faire des opérations dessus, ça c'est good. Par exemple, ici, il peut faire du tap sur le touchscreen. Donc il va taper à l'écran et ça va faire une action. Il peut faire du swipe. Donc là, typiquement, du sweep, je ne sais plus comment ça se dit. Non, c'est swipe, non. En gros, il peut avec son doigt. Il peut faire un balayage sur l'écran et faire un truc où il part comme ça en vitesse et comme tu fais sur ton smartphone. Bah ça, si on peut le détecter typiquement, bah c'est des entrées que tu pourras avoir toi pour gérer ton interface utilisateur. Et donc tu peux connecter avec l'interface utilisateur ton driver d'écran avec ton touchscreen. Et donc à partir de là, tu peux dire bon, ok, à l'écran, je vais dessiner ce qui ressemble à un bouton. Donc un truc comme ça par exemple. Voilà. Je dessine ça à l'écran. Dès que j'ai quelqu'un qui appuie, bah, je change la couleur de fond pour mettre le bouton comme quoi il est pressé. Et dès qu'il relâche, je laisse le bouton comme il est. Je l'affiche de manière à ce qu'il ne soit pas pressé. Et donc ce que tu fais, c'est que tous tes éléments à l'écran, bah, tu vas les garder en mémoire et ensuite tu vas les dessiner de manière différente. Si par exemple j'appuie sur le bouton et que je relâche, bah, du coup ça va appeler une fonction. Ce qu'on appelle typiquement un blur ou un callback. C'est-à-dire que ça va faire une action particulière au niveau de ton truc. Donc, et ça, c'est ton interface qui va la gérer. Là, typiquement, ce que j'ai fait sur la smartwatch, c'est ça en fait. Hein. J'ai ce qu'on appelle des contrôles, des widgets qui sont affichés à l'écran. Et j'ai une routine principale dans l'interface qui est celle-ci, qui gère tout le truc en fait. Si tu regardes par exemple dans mon main, ici, donc la routine principale, vraiment le code principal. Ici, j'ai le main UI qui est la task qui a un genre de mini process qui fait l'affichage. Il fait ça en fait. Il fait un UI process event et la boucle principale de mon programme, c'est strictement ça. Ça, c'est le bout de code qui va mettre à jour l'interface en fur et à mesure, l'interface utilisateur au fur et à mesure et gérer les entrées sorties. Si tu veux voir ce qu'il y a dans ce code là, qui est donc dans l'interface utilisateur, c'est une routine qui est un peu mastoc. Et ce que fait cette routine là, typiquement, c'est. On regarde tout d'abord si on a des événements utilisateurs. Si on a des événements utilisateurs, on traite les événements. Ensuite, si on a d'animation, on gère l'animation. Et ensuite, eh bien, on affiche tous les trucs à l'écran. Alors, c'est pas ici, pardon. C'est pour la partie affichage à l'écran. C'est pas celui-là. Je vais y arriver, bougez pas. C'est ici. On appelle une fonction qui s'appelle TileDraw. Donc, en fait, l'écran qui est affiché va être dessiné. Et cette routine-là, eh bien, elle est implémentée là-dedans. Et en fait, on est dans un sandwich maintenant de fonctions qui permettent d'implémenter ce genre de choses. Et la taille de row, voilà ce qu'elle fait. Hop. Ah. Eh bien, bienvenue aux gens de chez Kanbatsu Dessous. Il fait un raid avec trois personnes. Du coup. Ah voilà, donc TileDraw, typiquement, c'est une routine qui va dessiner l'écran, qui va boucler sur l'ensemble des widgets qui sont, voilà, qui sont en fait, qui va dessiner la tile avec un pointeur de tile. En fait, on a une routine de base, et quand tu vas dans la routine de TileDraw, alors c'était TileDraw widget, voilà, donc ça c'est une routine qui va être appelée, bah, du coup elle dessine tous les éléments qui font partie de cet écran-là. Et en fait, on a une complexité en tout cas là-dessus. Alors, vous faisiez quoi avec Kanbatsu Dessous? Si vous êtes francophone, je sais même pas. Bon, pas de réponse. passons. Donc là, voilà. Donc typiquement, après, c'est juste à convivre un sandwich au niveau de ton interface utilisateur. Et du coup, dès que tu affiches ton écran, bah, du coup, ça va refresh, je sais pas, un bouton qui est ici et différents trucs que tu auras dessus, quoi. Donc après, voilà. Ça, typiquement, c'est comme ça que marche l'interface utilisateur et c'est comme ça que j'arrive à gérer, notamment ici, bah, typiquement une listbox avec différents trucs de texte qui s'affichent
qui sont mis à jour à l'écran et vraiment en fonction, quoi. Et tout comme je peux gérer les swipes, changer d'écran, changer les différents éléments qui sont affichés, gérer notamment le niveau de signal, etc. Après ça, franchement, ouais, on est sur un niveau qui est, je vais pas dire avancé, mais qui est un peu complexe en tout cas. Qui est un peu complexe. Tu débutes en tout cas en programmation, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc dans lequel te lancer. Savoir que de mon côté, j'ai un background, j'ai déjà fait des interfaces utilisateurs pour ordinateur et pour l'embarquer, c'est pas bien différent. Mais voilà, c'est la manière de penser l'interface utilisateur, de l'implémenter et autres, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté donc, plusieurs fois d'ailleurs, dans plusieurs interfaces. Donc voilà. Mais je sais pertinemment que par expérience, il faut faire quelque chose qui est comme un sandwich en fait, hein, surtout une pyramide, un empilage de plein de trucs que tu développes. Au début, tu vas vraiment chier sur l'implémentation des différentes fonctions de base, mais plus tu vas outiller entre guillemets ton interface, plus ça va être facile après à utiliser. Là, typiquement, à la Ditbox, je lui dis, bah, écoute, tu mets un label dedans, tu mets un widget custom, tu mets un bouton, ça passe. Il va m'insérer un bouton où je veux, avec le texte que j'aurais configuré, etc. Mais ça dépend de la manière dans laquelle le système a été pensé. Et ici, moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit très modulaire et que n'importe qui veuille designer son widget puisse le faire au lieu de rester sur des widgets qui sont définis et se dire, ben tiens, je peux pas mettre ça en place, je peux pas faire ça avec mon interface parce qu'elle ne me permet pas de définir mes propres contrôles, mes propres comportements en fait au niveau des contrôles. Et je voulais qu'il y ait une certaine liberté, en tout cas, au niveau de cette interface utilisateur. Voilà, donc là, typiquement, c'est quelque chose qui est fait. Hein, parce que si on reprend le code, dans le scanner que j'ai fait, là, j'ai une routine de dessin qui est propre pour le widget qui m'intéresse. Et c'est réglé, quoi. Donc là, en fait, en à peu près, pour donner un genre d'idée, tout ça, ici, ça, c'est le code qui gère le widget que vous voyez qui affiche. Alors, je ne vais pas montrer le code, mais tout ce code-là, pardon, ici, c'est ce qui gère l'affichage de un des éléments affichés dans la Xbox. Pour montrer un peu la complexité. Une fois que tu as bien tout construit, afficher du texte à un endroit donné, c'est facile à faire. Dessiner du texte à cet endroit-là, c'est facile à faire, mais il faut bien penser les choses dès le départ, quoi. Enfin bon, donc on est quand même sur un truc qui est. Qui, une fois que tu as bien tout construit, est relativement simple à manipuler. Donc ça marche, je peux enlever. On va faire un petit peu de nettoyage au niveau du texte. Hop. Voilà, donc là typiquement voilà, pour l'interface. Alors bien sûr tout ce code là est open source, hein. Je le mets en ligne en même temps que je dev. Moi j'ai pas eu le temps de faire les commits encore de ce soir. Mais si tu vas dans je crois que c'est ici. Dans cette URL là, attends, je te mets ça dans le chat si tu veux aller faire un tour. Mais tout le code source ici, c'est des trucs que j'ai fait il y a 3 jours à peu près. Toute la partie interface utilisateur, les drivers, tout ça c'est intégré. Et c'est compatible avec notamment ESPIDF pour développer sur la T-Watch, donc cette montre là. Et toute la partie UI du coup est documentée. Mais voilà, c'est typiquement un bouton, tu vois, quand c'est implémenté, c'est pas bien compliqué. On a une fonction qui dessine le bouton en fonction de son état, avec du texte, etc. L'event handler qui gère notamment les appuis sur le bouton. Et puis la routine d'initialisation qui paramètre. Voilà. Donc une fois que mais tout ça, bien sûr, ça se base sur un code principal qui est le widget.c qui, lui, du coup, contient un peu plus de code et permet de gérer le comportement des widgets. Notamment, il contient tous les primitives graphiques pour les widgets. Donc, on peut faire du draw caractère, du draw texte. Et vraiment, le widget draw texte, il se base sur font draw texte. Font draw texte se base sur le driver de. Si vous avez sur le. Notamment le font 16.c, vous retrouverez les primitives qui permettent d'obtenir la. Les textes avec la fonte qui était configurée, et il me semble que c'est dans le driver du d'ailleurs je sais plus où je l'ai casé. Non, c'est pas ça, c'est dans UI normalement. On doit avoir un truc dans le widget, il fait un font draw text, et le font draw text, je sais plus du tout, il doit être dans le driver d'écran, donc on doit le retrouver ici, je pense. Même pas, merde, je savais plus où il est. Oui, il est fini. Voilà. Donc, quand je dis que c'était un vrai sandwich, ou dans 8.c du moins.
le fond de gros texte. Qui était ici, non, non. Fond de gros char. Je sais pas si on peut chercher là-dessus dans les repos. Ouais, peut-être pas. Mais bon, bref, on peut aller fouiller là-dedans et du coup, c'est ce qui fait. Tout ça, c'est open source. Dans les modifications que j'ai fait ce soir, j'ai modifié 2-3 trucs. Alors, c'est pas encore reporté partout. Donc, j'attendrai de bien tout finaliser pour pusher les modifs. Mais typiquement, j'ai fait pas mal de modifications. À la fois dans le code de la Aquatch. Le code de la Aquatch, je crois pas qu'il soit public pour l'instant parce que je suis pas arrivé à un truc vraiment opérationnel. Je pense que je posterai le code au fur et à mesure. Mais typiquement, pour la partie interface, voilà. Là, j'ai rajouté les systèmes de style qui sont pas encore intégrés à 100%. Mais on peut paramétrer les styles dans les widgets. Ce qu'il y a, c'est pour l'instant les contrôles que j'ai définis, les labels des boutons prennent pas en compte ces styles-là. Mais voilà, donc typiquement, on a tous les premiers styles de dessin en tout cas qui sont bien présentes. Alors celle-ci, j'aimerais savoir où elle est définie. Elle est définie dans font16.c. Donc du coup, dans font16.c, on a les primitifs qui drive l'écran avec notamment le dessin de caractère. Donc là, on boucle sur la fonte et on affiche des pixels qui vont bien. On a la fonte en taille 1 et en taille 2, en fait en x2, qui est implémentée ici. Voilà, grosso modo pour la partie architecture de l'application, mais une fois que tu as construit tout ça, en tout cas c'est plus simple de mettre en place ton interface utilisateur. Et ça demande juste un peu de boulot, quoi. Enfin, après, j'ai commencé le dev, quoi. Arrête-moi si je dis des bêtises, mais ça devait être sur les alentours d'octobre, un truc comme ça, septembre, fin septembre, début octobre. Sur la partie implémentation de la T-Watch, j'y ai passé quand même pas mal de temps déjà. Mais bon, mon objectif c'était de construire une interface utilisateur qui puisse permettre de faire des trucs, et maintenant je commence à pouvoir faire des trucs avec. Et ça c'est cool, ça fait moins de perte de temps en fait, surtout. Ce qui n'est pas négligeable, et c'est toujours appréciable de voir sur le truc. Donc voilà, écoutez le scanner en tout cas, peut-être qu'on s'était fixé le truc, je pense qu'on a un machin qui fonctionne. On pourrait essayer de fixer le comportement de la Z-Box au besoin, histoire d'avoir un truc un peu mieux. Par contre, moi, ce qui me plaît pas, c'est le scroll. Je l'avais un petit peu lissé pour que ça bouge un peu moins vite quand on fait ça. Mais je pense qu'à l'animation, on va faire un système où on y aura une certaine inertie, c'est-à-dire que quand je ferai ça, ça va dérouler avec une certaine vitesse et s'arrêter au bout d'un moment pour pouvoir naviguer assez rapidement dans la bloc. Donc là, je pense qu'il ne reste que l'animation vraiment à gérer. Il y a juste ici la valeur qui est pas capée. Et j'aimerais bien mettre un cap, éviter de pouvoir scroller plus. Par exemple, là, je peux descendre et scroller encore plus. Alors que normalement, je ne devrais pas pouvoir le faire. Ça, du coup, c'est dû à une mauvaise imitation. Si vous regardez un petit peu comment c'est géré au niveau de la Disbox, tiens, je vais corriger une bug avec vous. Hop. Donc, le coup de la Disbox, typiquement, c'est dans l'interface utilisateur, ici. On a, quand on scrolle, du coup, il y a une gestion des événements qui est effectuée, voilà, ici. Donc là, on applique un offset qui est calculé en fonction du mouvement que vous faites à l'écran. Pour cette valeur, par rapport à la valeur qui est placée dans la scroll bar, il y a du debug ici, il ne faut pas qu'elle excède la valeur maximale de la scroll bar. Et en fait, ils ont juste une condition ici qui vérifie que le scroll bar... que la scroll bar pour value est bien inférieure ou égale à la scroll bar pour max. Et ça, c'est un peu une condition. Et pareil ici. Et que la pdisbox de scroll bar pour value est bien supérieure ou égale à la pdisbox de scrollbar.min. Ça, c'est juste pour être sûr qu'on est dans les clous sur la plage de valeur. Et du coup, en faisant ça, normalement, ça devrait régler le problème. Hop. Voilà, donc encore un petit ou pas d'ailleurs. ExpectIdentifier.before. Ok, alors j'ai fait un truc. PDisbox, scrollbar, scrollbar value, max, que j'ai fait. Attendez, j'ai fait le boulet du coup. Disbox, p.value. Ok, ouais, c'est sûr, ça marche moins bien. Scrollbar. Hop. Et de cette manière, normalement, ça devrait marcher. On ne devrait plus avoir de débordement sur la listbox. Donc là, on va retourner sur la montre en train de flasher. Et après, du coup, on aura moins de soucis.
Donc là, en fait, ça va déclencher le scanner Wi-Fi qui va détecter tous les réseaux Wi-Fi environnants et il va afficher les interfaces utilisateurs qui permettent de voir le résultat. Alors, hop. Et du coup, la scrollbar, normalement, je peux. Voilà, là, je suis arrivé au bout de la scrollbar. Alors, par contre, je peux pas revenir. Ah, si. Mais quand je reviens, elle est plus mise à jour. Ah, pas cool. Bon, mais encore, j'ai mis un bug en plus hein, dans ce cas-là. Voilà, bon, typiquement le truc qu'il fallait pas faire. Alors. Non, c'était ça que je faisais en fait. C'était l'offset en fait qu'il fallait régler. C'est pas par rapport au scrollbar max. Je dis des bêtises. C'est par rapport à. Il y a un truc qui contient notamment la taille maximale. Attendez, j'ai fait. Ça s'appelle l'offset, il ne doit pas dépasser la valeur de la scrollbar. Ah non, c'est ça, ça ne doit pas dépasser. Du coup, c'est l'offset qui ne doit pas dépasser la scrollbar max. C'est ça. Et le debug offset qui doit être super inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Ok, j'avais fait de la merde sur ce truc-là. Donc, non, non, c'est bon. Hop. La correction de bug ratée. Voilà, j'ai juste fait une petite modification. Bon, après, c'est pas trop sexy au final le dev quand je fais des modifications sur sur ce truc-là. La pagination de l'enfer. Ouais, bah, y a pas tellement le choix en fait de gérer ça comme ça. Après, j'ai pas géré non plus les appuis dessus ou ce genre de choses. Ça serait bien de le faire, mais bon. Donc là, normalement, c'est mis à jour. Hop. Et donc, si je scroll, c'est bloqué. Et normalement, quand je reviens, voilà, ça repart. Donc là, c'est bon. C'est corrigé. Là, je suis en au max. Ah, bah, des fois, j'ai 10 sauts qui apparaissent, je sais pas pourquoi. Mais bon. Et là, je peux regarder la liste des réseaux. Et donc, c'est cool. Donc voilà. Bon, il se fait quelle heure? Quasiment 1h du mat. Ça pourrait être bien de se diriger vers la fin. En tout cas, ça fait quoi? 3h30 là que c'est en live. Bah, l'objectif, en tout cas. Hop, c'est comme ça. L'objectif est atteint, on a un scanner qui fonctionne avec notamment du réseau Wi-Fi qui s'affiche. J'ai pu corriger certains bugs sur la Xbox, on a pu implémenter différents trucs en plus, donc ça c'est cool. On a un truc qui commence à être sympa en termes d'utilisabilité. Donc reste plus qu'à améliorer les animations au niveau de la Xbox et gérer les SSID qui sont trop longs par exemple pour les afficher en faisant un roll. Ça pourrait être intéressant. Merci pour le follow, Witseya. Donc voilà, essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Mais je pense que ça sera durant un prochain live, jeudi prochain normalement. D'habitude, jeudi, c'est du live coding. Et depuis septembre, c'est sur ce projet-là. Bon, j'abuse des fois, il y a un petit peu d'électronique qui vient se greffer. Mais voilà, donc là, typiquement, le scanner, le prochain live, on va vraiment se concentrer sur la partie un petit peu animation, peaufinage de l'interface, histoire d'avoir un truc qui se comporte un peu mieux. Mais en tout cas, on a un truc qui est super sympa. On fera aussi de la sélection des différents items quand on appuie dessus. L'idée étant de pouvoir, au final, sélectionner un réseau pour faire une action dessus. Donc, typiquement, on affiche la liste des scanners, on sélectionne le réseau que l'on veut manipuler, et ensuite il s'affiche avec tous les détails. L'idée c'est de pouvoir détecter le nombre de stations qui sont dessus, enfin, pas mal de choses en tout cas sur ce truc-là. Pour l'instant, le scanner il fait juste un scan pur et simple. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin en termes de manipulation, pouvoir lister, bon, sélectionner un réseau qui est découvert, passer le contrôleur Wi-Fi en sniffer pour ce réseau-là, et il est capable, par exemple, de vous dire, bah voilà, il y a tant de stations connectées, elles ont tel Mac, elles envoient tant de paquets, enfin bref, des trucs assez poussés. Et ça, du coup, on ne peut le faire que si on a un outil pour sélectionner un réseau, et c'est notamment ce que permettra de faire ce contrôleur. C'est-à-dire, là, typiquement, je pourrais... créer une liste box à n'importe quel endroit qui contient la liste des points d'accès et dire à ce système là bah, si quand un point d'accès est sélectionné dans une liste box, tu me préviens et tu me donnes les informations liées à ce point d'accès, ce qui permet de déclencher ensuite un autre outil et de fournir ça en entrée. Et ça, franchement, il y a moyen que ça soit vraiment sexy en termes d'utilisation. L'avantage, c'est qu'on est quand même sur juste de la navigation en balayage d'écran, donc on a juste à swiper dans un sens ou dans un autre, sélectionner, appuyer. Il n'y a pas de texte à taper pour l'instant, on est vraiment sur des outils click and play quoi.
Voilà. Du coup, moi, je pense que j'en restais là pour ce soir. C'était plutôt cool. J'espère que ça a été intéressant pour vous. En tout cas, merci aux gens qu'on follow. Et puis, on va voir si on peut créer une chaîne en plus. Une chaîne qui ferait des trucs intéressants. Alors, du coup, poum. Alors, qu'est-ce qu'on a en actif Alors bon, si on cherche du côté de sciences et technologies, ça me donne quoi? Ah bah il y a du live coding pour ceux qui veulent continuer sur la... sur ce truc-là. Un mec qui développe un jeu, comme d'habitude. Mais a priori, il y a Purple Owl qui fait du live coding. Je pense qu'on va envoyer faire un raid sur sa chaîne. On est parti pour un raid. Et je renvoie sur Purple Owl, donc il a fait du dev principalement sur je sais plus si c'est du JavaScript ou un truc comme ça, mais ça peut être cool. Merci donc à ceux qui ont suivi. Moi je vous laisse pour ce soir. Prochain live, ça sera alors normalement mardi, peut-être un petit truc surprise samedi soir, je sais pas, ça dépend si je peux faire un live un peu improvisé, mais ça sera certainement lié au téléphone si ça se fait. Un projet des téléphones wireless. Et voilà, donc c'est normalement le prochain live vraiment prévu, c'est mardi prochain, où on fait a priori de l'électronique, de l'assemblage du deuxième PCB que j'ai sous le coude, qui est une borne. Cette fois-ci, on va essayer d'assembler à l'air chaud. J'ai reçu tout ce qu'il fallait pour pouvoir streamer a priori comme il faut, en à peu près bonne qualité. Donc ça sera l'occasion de tester le setup électronique plus avec un peu plus de matériel. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse là. Passez une bonne nuit, y a plein de trucs comme d'habitude. Et puis ben, écoutez, faites-vous plaisir quoi. C'est un peu le but. Allez, ciao.